Father, in the name of Jesus, we thank you. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci. That you are great, oh God. En vérité, tu es grand. Thank you for your grace and your mercies. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Thank you for your involvement in our lives. Merci dans notre vie. We bless you for another day in your presence. Nous te bénissons pour un autre jour dans ta présence. Lord, help us till we all come to the very stature and standard that you want us to be. Seigneur, aide-nous afin que nous atteignions la stature et la, que tu veux de nous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. We commit our minds. Spirit move. Let it be your confession tonight. Que ce soit votre confession ce soir. Spirit move over me. Yes, Lord, yes, Lord. Spirit move over me. Spirit move over me. Spirit move over me. As a deer panteth for the waters, so my soul panted out. You alone have my heart. My heart desire and alone to worship you. As a deer panted for water. So my soul panted after you. You alone Jesus. And alone to worship you, Father.
Yes, I long to worship you, Lord. May the Lord bless us. Le Seigneur nous bénisse. Go to somebody and welcome a person to church in Jesus' name. Et à quelqu'un et dites à la personne bienvenue à l'église au nom de Jésus. And I long to worship you. Welcome to church. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Well, bien. Welcome to church in Jesus' name. Soyez les bienvenus à l'église au nom de Jésus. Yeah, please share the video quickly wherever you are online. Rapidement, il faut partager la vidéo. Vous qui êtes connectés, partagez-la. Tag somebody quickly so that we all take off together. Que nous tous nous puissions démarrer ensemble. Mm-hmm. Keep sharing it till. Continuez de partager. The devil have it. Jusqu'à ce que ça arrive chez le diable. I hope you have your notebook. J'espère que vous avez vos cahiers de notes. Some of you don't come to church with Bible, I know. Mama, what's your Bible? Are you? All my phones have Bible. I still carry a physical Bible. My iPad have two Bibles. Donc les gens qui viennent à l'église sans la Bible, nos téléphones, il y a la Bible dedans, mais on a toujours la Bible physique. Amen. Amen. OK. If you share, let us know you share so that we all take off together. Donc si vous avez partagé, faites-nous le savoir afin qu'on puisse décoller ensemble. Yeah, we greet the people in Togo. Nous saluons le peuple qui est au Togo. We greet the people in Benin Republic. Saluons aussi les gens à la République du Bénin. We bless the life of the people in La Côte d'Ivoire. Bénissons le Seigneur pour la vie du peuple en Côte d'Ivoire. We bless the people in Canada. Bénissons aussi le peuple au Canada. People in UK. Le peuple qui est au Royaume-Uni. People in the USA. Les gens qui sont aux États-Unis, others who are in the Arab world, et les autres qui se trouvent dans les pays arabes. Wherever you are watching us from, God bless you. D'où que vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. People in Liberia, we bless you. Le peuple au Liberia, nous vous bénissons. Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Yesterday we have received some instruction from the Lord. Hier, nous avons reçu quelques instructions de la part du Seigneur. We use Peter as our subject matter. Nous avons utilisé Pierre comme notre thème principal. Yeah. Talking about how Jesus came through for him. Parlant de comment Jésus est intervenu en sa faveur. Yeah. All that we are doing, please pay attention. All that we are doing is for you to get back to where Christ wants you to be. Et prêtez attention, car tout ce que nous faisons, c'est pour que vous retourniez là où Christ veut que vous soyez. Amen. Amen. And if you take this thing for granted, I don't know what else will wake you up. Alors, si vous considérez ceci comme acquis, je ne sais pas qu'est-ce qui va vous réveiller. So, this can be your last chance to still be a child of God. Alors, ceci pourrait être votre dernière chance à toujours demeurer enfant de Dieu. Can you imagine Jesus didn't come for Peter? Pouvez-vous imaginer si Jésus n'était pas venu pour Pierre? But this evening we are talking about the Holy Spirit. Alors, ce soir, nous allons parler du Saint-Esprit. Your helper or the Holy Spirit want to help you. Ou le Saint-Esprit, votre aide, ou le Saint-Esprit veut vous aider. Now, many people live Christian life without the Spirit of the of God. Beaucoup de gens vivent la vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu. Are you still a Christian? Êtes-vous encore chrétien? Question. C'est une question. In
First Corinthians chapter 3:16. First scripture before. On va prendre notre première écriture dans 1 Corinthiens chapitre 3. 16. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Il dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Amen. Mm-hmm. 1 Corinthiens 3, 16. Let no one deceive you. No, let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age. What are you reading? 1 Corinthians 3:16. Check it well. Sorry. Verse 16. Do you not know that you are the temple of God and that the Holy Spirit of God dwells in you? Take it again. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Do you not know that you are the temple of God, that the Holy Spirit dwells in you? Say the Holy Spirit dwells in me. Dis le Saint-Esprit demeure en moi. Or can you say it better? Est-ce que vous pouvez le dire bien? Le Saint-Esprit demeure en moi. Do you believe it? Est-ce que vous le croyez? Say the Holy Spirit dwells in me. Dis le Saint-Esprit demeure en moi. Say it as you believe it. Dites-le comme vous y croyez. Say the Holy Spirit, you are in me. Dis le Saint-Esprit, tu es en moi. Add your name. Ajoute votre nom. Dis le Saint-Esprit, tu es en Gildas Timothée. Are you sure the Holy Spirit is in you? Êtes-vous sûr que le Saint-Esprit est en vous? Are you sure? Êtes-vous sûr? There's no boy in you. There's no girl in you. Il y a pas un garçon en vous dans votre vie. Il y a If pas. If the Holy Spirit is in you, nothing else should have its place in you. Donc si le Saint-Esprit est en vous, normalement rien d'autre ne devait avoir de l'espace en vous. Esther, I want to try. Okay, Augustina, go to Augustina, Pastor. Augustina, I have to try. The spirit life is the life of God. Okay, you try. Who want to help more? So what were you telling yourself? I want to try. Azaf. Yeah, Azaf. J'avais entendu un chrétien qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Okay, you try. So our brother said that a Christian who is able to do the will of God is the one who is led by the Spirit of God. Who else? Qui d'autre? Yeah. I'm not. Ah, okay. Hey. Esther. As a Christian, you have to have the Spirit of God in you. As a Christian, you have to have the Spirit of God in you. Yo, listen, you cook your own. The people here, when you were telling yourself, what were you saying? The spirit life is a life of Christ. Amen. Clap for him. The spirit life is the life of Christ. Clap well. Acclamez bien. Qui te dit c'est que la vie de l'esprit est la vie de Christ. Now, the tendency of you going through life without the spirit is very high. On va dire la tendance pour que vous viviez la vie sans l'Esprit de Dieu est très très large. You see, voyez-vous, the Spirit of the Lord is not a spirit that forces people or oppresses. Yes, it doesn't oppress. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit qui oppresse les gens, qui les force. You have to yield yourself to it. Vous devez vous abandonner entre ses mains ou ne le désirer. For instance, the Bible says, "In the beginning, God created the heaven and the earth, and the earth was without form and void." Alors, par exemple, la Bible dit au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Now, and the Bible says, with that, what do you call it? Chaos, deformity. The Spirit of God was upon the deep. Et dans ce chaos-là, cette uniformité, le Saint-Esprit était sur les eaux. Can you see it?
Bibia says something has happened. Quelque chose s'est passé. Everything was nyama. Tout était bizarre, mélangé. But the Spirit of God was upon the situation. Mais l'Esprit de Dieu était au-dessus des situations. Now, there's nothing that God have done without the Spirit move of power. Il n'y a rien que Dieu ait fait sans la puissance du Saint-Esprit. Now, as he gave the word, he spoke the word, let it be, and it's the manifestation of the Spirit. But that Spirit was there. But it needed a word before he can move. Il a dit que tel soit, c'était là la manifestation de l'Esprit qui était déjà présent, mais qui avait besoin d'être en action. There is an inner power, force, and personality with you, in you. You have to discover it and use it for your own Christian profit. Il y a donc cette puissance intérieure en vous qu'il vous faut découvrir en vue de l'utiliser pour le but de Christ. Are you here? You are gone. Est-ce que vous êtes là? You see, it's one thing to identify your inability to attend to some standard of God. It's another thing after you identify it to say, okay, now I want to do it. Help me, Holy Spirit. Il est une chose d'identifier votre inhabilité, incapacité à atteindre le standard de Dieu. Il est autre chose aussi de dire, Saint-Esprit, je vais y arriver, aide-moi. Many people only know the Holy Spirit through tongue speaking and some few things. Beaucoup de gens connaissent seulement le Saint-Esprit dans le parler en langue et dans peu de choses. The Holy Spirit, Jesus said, I'm not leaving you alone, but I leave you with a comforter. Le Seigneur Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul, mais je vous laisse avec le consolateur, the helper. En d'autres mots, l'aide. I leave you not alone, but with a helper. Je ne vous laisse pas seul, mais je vous laisse avec l'aide. John 16, verse 7, quickly. Jean chapitre 16, verset 8. Jean chapitre 16, verset okay, 7. Yeah. Jean chapitre 16, verset 7 nous dit, pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Amen. John 16, verse 7. This is your microphone. They should check it for you. John 16, the verse 7. John 16, the verse 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Amen. So Jesus' departure releases the helper. Who is the helper? The Holy Spirit. Donc le départ de Jésus va nous envoyer l'aide, et l'aide c'est le Saint-Esprit. Now, I don't believe that all of us here we are there 100% for what Christ wants from us, including me. Je ne crois pas que nous tous ici sommes à 100% là où Christ veut que nous soyons. Your inability to attend to some heights in Christ is not an excuse to your laziness, your donkerism, and your doubts. Those things that you can feel that this person is doing, I can't do it. It's an opportunity that Holy Spirit, please help me. Alors, peu importe votre inhabilité à atteindre certaines hauteurs en Christ avec la vie de négligence et de je m'en fous, mais il est important quand vous voyez quelqu'un à cette dimension de dire, Saint-Esprit, je veux le faire, je vais y arriver, aide-moi. Ok. Bien. I know Accra, ok, maybe we have it in Accra, Ghana also, but like la Côte d'Ivoire, Abidjan have a lot of story buildings more than Accra. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup plus d'étages qu'ici à Accra. Some of the offices are, it can be on the 7th floor or 12th or 11th something. Certains bureaux peuvent se trouver au 7e étage, au 11e ou même 12e étage. One of the laws of Ivorian law is that by the time you build more than 3 story, you are going to 5th. It's compulsory that you put an elevator into the
Et donc, l'une des lois en Côte d'Ivoire, quand tu construis un immeuble au-delà de 5 étages, et quand tu arrives à 7e, tu dois pouvoir mettre... Déjà 5. Je pense que c'est 4 qui est pas escalé. 5 déjà. À partir de 5, il doit avoir un ascenseur. Now, if you get yourself to those apartments that have those floors, they still have steps, staircase, right? So you can still climb to go, but it's also have the elevator that you can just press and key the floor into it and you carry you up. Alors, il y a aussi les escaliers pour atteindre quelconque étage où vous voulez aller. Tout de même, il y a aussi l'ascenseur pour presser le numéro de votre étage et y accéder. Are you following? Est-ce que vous nous suivez? Now, you can decide, let's say you are going to give me a floor, 8th floor. Disons, let's say you are going to the 8th floor. Disons que vous partez au 8e étage. You see that not far from the staircase that you use your leg to climb, also a small door with the elevator there. Most of the time you see the green light on the red light on those doors. You see the arrow up and down. Alors, quand bien même vous prenez l'escalier, vous allez voir qu'à côté de l'escalier, il y a ces petites portes-là avec toutes les indications d'un ascenseur qui monte ou qui descend. Now, you can decide to use your strength by climbing. Vous pouvez décider d'utiliser vos forces en prenant les marches de l'escalier. Another person also can decide that he will use the elevator. Mais une autre personne peut décider d'utiliser l'ascenseur. Now, most of the time, people don't use the elevator because they are not knowledgeable of it and they are just villagers. La plupart du temps, les gens n'utilisent pas les ascenseurs parce qu'ils ne savent rien de cela. Now, so what they are used to since they were born is to climb up. Ce qu'ils ont l'habitude de voir depuis leur naissance, c'est de prendre les escaliers pour monter. Now, you may climb up, but if you are looking for a job, that your nice shirt with your tie, you will go there like a footballer. You'll be... Par exemple, si vous cherchez du travail avec de la manière vous êtes bien habillé, vous ressemblez à un footballeur qui est en train de respirer. If you are doing sports to get yourself in shape, get yourself well, we know that. But this is not something you are doing for sports. You have an appointment, you are looking for something that must be done quick and be effective. Si c'était le sport, vous comprendrez, mais là, c'est que vous allez à un rendez-vous pour quelque chose d'important. So the person who take the staircase and go up, and the person who take the elevator will reach quicker, faster, and stress-free, and that person will fly. The laws of God will not be difficult for him. But the one who take the staircase, holiness is difficult. Pastor said we shouldn't use perfume. Pastor said our skirts should be long. Why? You are not using the elevator. You are climbing. So you are using your strength. But the one who uses the elevator is the spirit life. I don't understand, but the elevator will help me. The Holy Spirit will help me to achieve it. Et donc l'image que l'homme de Dieu donne, c'est que ceux qui prennent les escaliers, ceux-là voient la vie chrétienne et les lois de Dieu difficiles. Les habits, pourquoi ça va être long et toutes les restrictions. Mais quelqu'un qui prend par exemple l'ascenseur qui représente l'Esprit de Dieu voit ces choses-là faciles à faire. Alléluia. Alléluia. Now heaven is your home. Maintenant le ciel, c'est votre demeure. The earth is your lodging place. Et la terre est votre lieu de où vous avez loué. Lodging place. Your dwelling place. Your dwelling place. Okay, for votre demeure. Yes. Now, if the earth is your dwelling place, then God is your portion. Si la terre est votre demeure, Dieu est votre portion. And Jesus is your companion in the earth. Et Jésus est votre compagnon sur la terre. Or in life. Ou dans la vie. But the Holy Spirit is your help. Mais le Saint-Esprit est votre aide. Why? They know you on earth. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous êtes sur la terre. Heaven is our home. Le ciel, c'est chez nous. But we are not there. Mais nous ne sommes pas là-bas. For now, our dwelling place is on earth. Pour le moment, notre lieu d'habitation, c'est la terre. Here, there are a lot of challenges. Ici, il y a beaucoup de défis. Here, there are a lot of temptations. Ici, il y a trop de tentations. There are, life is up and down. La vie a des hauts et des bas. The issues of rent.
Les questions what de to eat, loyer, quoi manger, where to sleep, où dormir. You want to have something somebody also wanted. Vous voulez avoir quelque chose que there a lot of striving and pulling. Il y a beaucoup de lutte et de d'arrache. Something that you buy today, by the time tomorrow comes, without your permission, they increase it. Quelque chose que vous avez acheté aujourd'hui, le temps va aller à demain sans vous avertir, ça augmente. They increase things in the market, but your salary are not increased. Ils augmentent les choses au marché, mais vos salaires n'augmentent pas. Life is not predictable. There are a lot of shocks in life. La vie n'a pas de prédiction, on a beaucoup de chocs so dans la vie. God knows that. Alors Dieu sait. He gives us His Spirit. Il nous a donné son esprit. So that He can help us through. Pour qu'il puisse nous aider. So that we can be blameless in this realm. Afin que nous soyons sans blâme so dans that we ce... can make His kingdom come on earth as it is in heaven, our home, by the help of the Holy Spirit. Et qu'il fasse venir son royaume sur la terre, l'établi comme il est dans le ciel par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. So the Holy Spirit involvement is all that we need to pay attention to before we start doing the things that God has wanted us to do. Dans l'implication du Saint-Esprit est ce dont nous avons besoin avant de faire quoi que ce soit que Dieu nous demande de faire. Many people go into doing the written word of God without the Holy Spirit. You cannot. Beaucoup de personnes veulent aller mettre en pratique la parole écrite de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. Et sans, vous ne pouvez without pas. The Holy Spirit, you cannot love. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas aimer. Without the Holy Spirit, you cannot do. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. The Adamic nature naturally does not have any good thing in him. La nature adamique a naturellement pas de bonnes choses en elle. No, no, that's the truth. Et c'est la vérité. Without the Holy Spirit, most of you will be a prostitute. Sans le Saint-Esprit, la plupart d'entre vous serez des prostituées. No, yes, it's true. Et c'est vrai. Yes. Oui. We were somewhere in Cotonou. Nous étions quelque part à Cotonou. You see this, those ladies are just like you. Et ces jeunes filles là qu'on voit sont comme certains d'entre vous ici. They are not ugly. Elles ne sont même pas laides. No, no, it's true. C'est vrai. One of them, Papa Jomigan win her, got close, and they told me that this is a prostitute. I watch, you know, I say, she doesn't, if they don't say, you will not know. This is a normal woman being. You know, normal woman being. Yeah, normal woman being. Yeah, to say, we were in church, she came to church. Normal woman being. But she's a prostitute. Il y a une que Papa John Migan a gagné et on me l'a présenté, on m'a dit c'est une prostituée. Vraiment, j'ai regardé, elle est normale comme un être humain, mais elle est à l'église et elle est prostituée. Une prostituée. Last time we were traveling to Lomé from Benin. La dernière fois on voyageait du Cotonou à Benin. When tout they le saw matin, the car, quand ils ont vu le we want to preach them, but they nous were, on les prêchait mais they were interested in me. They said, you don't know what you are doing. Ils avaient l'intérêt sur moi, dit vous savez pas ce que vous faites. And most of them are Nigerians. They travel from their home to work. Their parents didn't know that they are doing that. They et la travel plupart out. D'entre elles sont des Nigériennes qui ont voyagé sans même que leurs parents ne sachent qu'elles font ça. So without the Holy Spirit, we are the Adamic nature. Some of you sleep with dogs. You want to marry a tree. It takes the Holy Spirit to bring that distinction because the scripture 16:8 or 9 it said it will convict men of sin. It's because of the Holy Spirit. We know that this is not good. This is good. This is not good. C'est à cause du Saint-Esprit qu'on arrive à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que le verset 8 du chapitre 16 de Jean dit qu'il convaincra les hommes de péché. So many holiness churches, the Holy Spirit is with them, but they don't use it. They want works done the Holy Spirit. Et beaucoup d'églises de la sanctification, le Saint-Esprit ne les utilise pas parce qu'ils aiment plus les paroles, la parole que le Saint-Esprit. Many people want works. Les gens veulent les œuvres. You see, if you tie the head with that, the Holy Spirit, you are not different from Alakubaru. Si vous voilez la tête en tant que femme, sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas différent des femmes musulmanes. You're just like a Taliban. Vous êtes comme des talibans. Yes. Oui. And the reason why many people have dead relationship, dead Christian life, is because that life of the Holy Spirit is not in them. And if you don't have the Holy Spirit, you can't love your wife, you can't love your husband. No, no, it's true. You may laugh over la raison pour laquelle beaucoup sont morts dans leur relation avec Dieu, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Sans le Saint-Esprit, vous pouvez ni aimer votre mari, ni aimer votre femme. Yes. Oui.
There are times, there are things I will say, nobody know that it's wrong. But when I was alone, normally that's how he does the Holy Spirit. In those your confusion, you are talking with people, people are talking with you. You make mistake, you don't mind you. He will be looking for you. At time you are sitting on the toilet, at time you are bathing, at time you are reading, he will catch you in the corner that nobody will disturb you and him. Then I say, yourself, that thing you say for there, you don't say you're not good. Then, if you are truly his person, nobody is there but you'll be shy. Alors, ce que le Saint-Esprit sait, c'est que dans toutes ces confusions et ces brouhahas, quand vous dites des choses, il ne dit rien. Mais quand vous retrouvez ceux, c'est alors qu'il vous le rappelle à votre pensée. Et si vous êtes vraiment son enfant, vous allez reconnaître et avoir honte. Yes. Oui. So, the spirit life is the best life. Et la vie de l'esprit est la meilleure des vies. Look at what Ephesians 3, 16 said. Regardons ce que Ephésiens 3, verset 16 nous dit. Ephésiens 3, verset 16 nous dit ceci. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Amen. Ephésiens 3, 16. That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his spirit in the inner man. The inner man, you see, well, l'être intérieur. It dwells in you. His first work is the inner man. The inner man, which side of the inner man? In your belly? No, in your heart. Alors, la demeure du Saint-Esprit, c'est dans votre être intérieur. Et votre être intérieur, c'est votre cœur. We are panicked, we are shocked, we are afraid because we are not available and using the help or accepting the help of the Holy Spirit. Nous sommes paniqués, choqués, torturés parce que nous n'acceptons pas la disponibilité du Saint-Esprit et son aide. Somebody share this video and tag a Christian somewhere. Et quelqu'un partage cette vidéo et tag un chrétien quelque part. Is the richness to strengthen your inner man because this life that we are in, Peter said, even though these tents will be destroyed. They always what they have, what they cherish is the inner man, not this body. The inner man, you have to be strong in the law. Strong in the law is not to carry iron. The Bible says physical exercise profited later, but the spiritual one much more, much more. Your inner man, many of you, you can't stand, you are not firm, you are not standing in Christ because your inner man is weak. It's weak. Receive power within you. Beaucoup d'entre vous ne tenez pas ferme parce que votre être intérieur est faible. Recevez la puissance en vous au nom de Jésus. So if you accept the help of the Holy Spirit, many things will be easier for you. Donc si vous acceptez l'aide du Saint-Esprit, beaucoup de choses seront faciles pour vous. I see people, their wife is not away, their husband is not away. They tell you that they cannot stay without a woman. So I ask myself, when you didn't marry, how were you doing it? Alors, on voit there's nobody that was born and you marry and start. No, there must be a free time that you don't marry. Oh, it doesn't happen. That. Yes, you should not touch a man or touch a woman. But we see Christians, they say, no, you can't. You can't. Why? Because you are still depending on you. It's not about the Holy Spirit. Alors, j'ai vu des hommes et des femmes qui disent que, bien que leurs conjoints ou conjointes sont là, ils disent qu'ils ne peuvent pas rester avec une seule femme. Mais avant le mariage, comment vous faisiez? Sans le lait du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas y arriver. Many of you are rushing for marriage because of that thing. Because you have never had a life with God, with Jesus, with the Holy Spirit. So, all your life was around those things. You see, you are not yet that child of God. Voyez, beaucoup d'entre vous n'avez pas cette relation avec Dieu parce que vous n'êtes pas avec le Saint-Esprit et vous ne saisissez pas la vie qu'il donne. Donc vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu. Praise the Lord. Louange au so Seigneur. The Holy Spirit wants to help me and you. Et le Saint-Esprit veut vous aider et veut aussi m'aider. We have seen Peter and co. Nous avons vu Pierre et les autres. How they can commit error, how they can make a mistake till the Holy Spirit came on. Comment ils ont commis des erreurs, fait des fautes juste à ce que le Saint-Esprit soit venu sur eux.
Yes. Oui. So have you? Alors, and will you? Et serez-vous, aurez-vous? Accept it. Voudriez-vous accepter? For the Holy Spirit to help you. Que le Saint-Esprit vous aide. And it's help. It's not an automatic thing. You must yearn for it. You must go for it. You must ask for it. Et donc son aide n'est pas automatique. Vous devez non seulement la désirer, aller vers et la demander. Now, so the person who put the office on the floor there, he have it in mind. That's why he put the elevator into the immeuble. Et donc la personne qui a mis le bureau à un tel niveau de l'étage a pensé à vous et a mis un ascenseur dans l'immeuble. Yes. Oui. You know, which year was that we were? I think last year we were in Abidjan. Quoi, l'année dernière nous étions à Abidjan. When Mama came with the children, we were living in one of the apartments there. Maman est venue avec les enfants. Dans un appartement, nous étions sur le au troisième étage. But some of the sisters are afraid of. I think Odia said, Odia was it? Odia, sister Odia is afraid of the elevator, and Odia will climb. Like Vietnam soldier. La sœur Odia avait peur de l'ascenseur, donc elle va prendre les escaliers. Can you imagine? Ah, Lori said they were inside in his hood on Lori. You see, the spirit life, many people are afraid of it, but that's the most sure and the most simple straightforward. Life. Beaucoup de gens ont peur de la vie de l'esprit et pourtant c'est la plus sûre de la Because vie. Because in the elevator, it's not you that climbing up. The elevator is carrying. The spirit wind will carry you to that. Parce que dans l'ascenseur, ce n'est pas vous qui montez, lui vous transporte. Ainsi, dans l'esprit, vous êtes transporté sur les ailes de l'esprit. One of the reasons why that the spirit doesn't help us is that it's sort of accepting and say, "Help me, Lord." We oppose it. By the time you oppose God's word. The Holy Spirit can't help you. Et le problème, say, no way, it's not true. Bang. La raison pour laquelle le Saint-Esprit n'aide pas beaucoup d'entre nous, c'est que beaucoup s'opposent à la parole de Dieu. Au lieu de dire Saint-Esprit aide-moi, quand la parole de Dieu vient dire c'est faux. Donc le Saint-Esprit. When the Bible says Paul says I can do all things through Christ that strengthens me, through all things through Christ that strengthens me with what? With the Comforter. The Holy Spirit. Et donc quand Paul a dit je puis tout par celui qui me fortifie, Christ, c'est que il parle du consolateur qui est le Saint-Esprit. It's possible to be holy in this time. C'est possible d'être saint It's dans possible ces temps-ci. To speak without lying. C'est possible de parler sans mentir. It's possible to live as a young guy, a young girl without to being lustful. Il est possible de vivre en tant qu'un jeune homme, une jeune fille sans avoir la convoitise sexuelle. It's possible to live stress-free. No bitterness, no anger, no offense with the Holy Spirit. It is possible. Possible de vivre sans stress, sans colère ni amertume par le Saint-Esprit, par son aide. If you allow the Holy Spirit to help us. Si nous permettons au Saint-Esprit de nous aider. So one of the things the Holy Spirit do, it help us to be Christ-like. It make us more like Christ. L'une des choses que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il nous aide à être comme Christ. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Because all these things you want to become without the Holy Spirit, it will not be possible. You'll be tired of yourself. Tout ce que vous voulez devenir sans l'aide du Saint-Esprit, ce sera impossible. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Amen. 2 Corinthians 3:18. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory. Just as by the Spirit of the Lord. Amen. Is the transformation. Do not be conformed to this world. The transformation is being done by the Holy Spirit. La transformation qui nous amène à ne pas nous conformer à ce monde, cette transformation est faite par le Saint-Esprit.
Many people, you have never drank from that cup of transformation because you have not yielded and you have not accepted the help of the Holy Beaucoup Spirit. D'entre vous n'avez pas été ivre en buvant à cette coupe qui est le Saint-Esprit parce que vous ne l'avez jamais désiré. Vous l'avez jamais If you cherché. Like, from today, anything that you confront, before you tackle it, before you approach it, just say, Holy Spirit, help me. You see. Si vous voulez, à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous allez faire et même vous allez confronter, dites simplement, Saint-Esprit, aide-moi. Jesus said it pure. Jesus, is he a liar? Jésus, est-ce que Jésus est menteur? He said, I'm sending you the helper. Il a dit, je vous enverrai l'aide. I don't know about you. There are times I lost something in the room. You look for the thing you don't see. When you just say, Holy Spirit, show me the thing. Like a joke. Par moment, je At sais time, pas you si look ça around, vous arrive. You don't see it. You do like you are forgetting and you see it. Ah, but I pass here. Et vous cherchez it's quelque chose. To help us. Et vous dites, Saint-Esprit, aide-moi. Et vous voyez que vous la trouvez. Son travail, c'est de nous aider. Hmm? Tell him that the way I'm feeling these days, I'm feeling tired, I'm feeling anxious, I'm feeling worried. Dites-lui, help me, Holy Spirit. Saint-Esprit, ces jours-ci, je me sens fatigué, inquiet. Et tout ça, aide-moi. That one, you don't need to speak in tongues with it. Là, vous n'avez même pas besoin de parler en langue. Holy Spirit, please. Saint-Esprit, s'il te plaît. I don't want to lose you. Je ne veux pas te perdre. My heart these days. Mon cœur ces jours-ci. Is going towards this girl. Mon cœur va vers cette sœur. Is going towards this brother. Mon cœur va vers ce frère. Oh, help me, Holy Spirit. Aide-moi, Saint-Esprit. You see, tu verras. You'll be helped. Vous verrez que vous If you don't serez give aidé. Testimony, you will not know that he has helped you. It's between you and him. Et si vous n'avez pas donné le témoignage, nous ne saurons jamais qui vous a aidé parce que c'est entre vous et lui. Clap for the Lord. On acclame pour le Seigneur. Yes, there is a certain money to pay. There's something you are looking for. You try by your strength. Say, Holy Spirit, please help me. Il y a une somme d'argent peut-être que vous devez payer. Il y a quelque chose que vous avez essayé de faire, ça marche pas. Dites, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. There are times we travel, you see police, you know they will say, Holy Spirit, clear them, clear Par them. Par moment, tu voyages, tu At vois la police, tu dis, Seigneur, qu'il soit quitté, qu'il quitte. They will be doing that thing mumuciously, you pass. Par moment, tu es là, ils sont occupés à rien. Et Even when they stop you, they will just be telling you stories. Et quand ils vont vous arrêter, ils ne vont vous raconter que des histoires. The helper, let's ask him to help us. Demandons à notre aide le Saint-Esprit de nous aider. Praise God. Louange à Dieu. And so we don't say all of us here. People are here. You have challenges. You have things. Help me. Beaucoup d'entre nous ici, nous tous d'ailleurs, nous avons des défis. On doit dire au Saint-Esprit, aide-moi. You don't need to pay anything. You just have to say it with faith. Vous n'avez rien à payer. Vous avez juste besoin de le dire avec foi. So for us to be Christ-like, that transformation is the Holy Spirit who will help us. Pour que nous soyons transformés à l'image de Christ, être comme Christ là, c'est le Saint-Esprit qui va the nous aider. The only thing is that you don't attack God's word before He says He should help you. He will not mind you. You accept it as you see it and say, Holy Spirit, teach me, help me, even if it's difficult. Help me to obey it. Le truc, c'est que vous n'avez pas besoin d'attaquer la parole de Dieu, mais vous l'acceptez telle qu'elle est, bien qu'elle soit difficile. Vous lui direz, Saint-Esprit, aide-moi à obéir. I know some of you may have that experience before when, for instance, you are going to bed, you say, Holy Spirit, wake me 4:00. At time you receive a slap at your back, hein? Je crois que beaucoup d'entre vous avez déjà cette expérience. Like you are not born again, vous partez dormir, par exemple, vous dites Saint-Esprit, réveille-moi vers 4 heures. Pour... Et là, some souvent, quelqu'un born vous again tape. 2020, you don't know. Vous qui êtes né de nouveau en 2020, là, vous ne saurez pas. Parce que... Those days, to even have watch, you have to be blessed. So, the Holy Spirit must wake you up. Parce que dans le temps avant, pour avoir une montre là, vraiment, donc tu dois dire au Saint-Esprit, réveille-moi. Parce qu'il n'y a pas un réveil. At time, it's an air to blow on you. Hear the air. Par oh, moment, you hear your name, Philip. Par moment, c'est comme un vent qui souffle sur toi où tu entends ton nom, Timothée. Or something do happen and you wake up. Il y a quelque chose qui se passe, tu te réveilles. Maybe he call you, you are not waking up, he allow you to roll yourself
un faux bras. Peut-être qu'il te réveille, tu ne te réveilles pas. Il va te permettre de tourner sur le lit quand tu es tombé là en même temps. We are blessed. Let's use the Holy Spirit. Nous sommes bénis, alors utilisons le Saint-Esprit. Ask him to help us. Demandons-lui de nous aider. Holy Spirit, I need your help. Le Saint-Esprit, j'ai besoin I de ton need aide. Your strength. J'ai besoin de ta force. Help me to let go of this thing. Aide-moi à abandonner help telle me chose. To be able to do this thing. Aide-moi à être capable help de faire me ceci. To be focused. Aide-moi à être focus. The Holy Spirit also help our liberty. Verse 17 of the same chapter. Alors, 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Le Saint-Esprit aide notre liberté. On va le voir même dans le chapitre du verset. Même chapitre 3, verset 17. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Amen. Now the Spirit of the Lord. Mm-hmm. Now the Lord is the Spirit. And now the Lord is the Spirit. Say the Lord is the Spirit. The Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Wow. Wow. So you can't be under bondage. Donc vous ne pouvez pas être sous des liens. No. Last time I was telling the pastors in Benin that most of you, many pastors, they don't know how to lead prayers. Beaucoup de pasteurs ne savent pas comment diriger la prière. No. One of the person who know how to lead prayer is Madame Gwe. L'une des personnes qui sait comment diriger la prière, c'est Madame Gwe. Prayer leading is not diriger la prière, ce n'est no, pas that one have his place also. Mais cette façon forte de le faire là à sa place, you know, the, you know people when you are leading prayer, prayer leading, we are not saying you are praying, you are leading prayer. One of the things that you must give us a prayer point that is prayable and scripture. Donc, là, on dit tu conduis la prière. Ce n'est pas toi qui nous fais prier, tu conduis. Donc, donne-nous un sujet de prière qui est lié à la parole qu'on peut prier. Yes. Oui. So, you know, normally, pastors. Les pasteurs. When you are humble, that's why humility is the thing. Quand vous êtes humble. The fact that you are a pastor doesn't mean that you know everything. Le fait que vous soyez un pasteur ne veut pas dire que vous savez toutes choses. Especially, these my pastors, most of them, they have pride. Et mes pasteurs, beaucoup d'entre eux ont l'orgueil. We have to pray. Nous devons prier. We were in mission, things were hard. Nous, en étant en mission, les choses étaient dures. Where we were sleeping to pay is hard. Là où on dormait pour payer, how c'était to pas feed facile. Is hard. Comment manger, c'était how pas to facile. Go and do the evangelism is hard. Comment même aller faire l'évangélisation, tout and était we quand are même praying. Dur. Et nous prions. So they were praying before I came in the house prayer. Eux priaient avant que je ne vienne. So I came, I was listening to the prayer. Je suis venu, j'écoutais la prière. Oh God, use us. Oh Dieu, utilise-nous. Oh God, use us. Oh Dieu, utilise-nous. Use us. Utilise-nous. The person was giving word. The person was enjoying. La personne. You know those people who they are enjoying themselves. They don't mind you. Il y a des gens même là, eux. He's leading a prayer like he's doing an evangelism. Comment dire en Côte d'Ivoire, il s'enjaille même et puis vous abandonne. Lead us. Conduis-nous. C'est là, il s'est lui. Everybody pray. Tout le monde crie. Nous allons faire des grandes choses dans les nations. Ok. So I listen. Écoutez. Me normally, if we give prayer topic, it doesn't fall. I cook my own. Moi, quand on donne un sujet de prière qui n'est pas correct là, moi, je prie, mais c'est pas ce que tu as dit. Je prie autre chose. I walk away. Je marche là. They give an announcement. No, if I leave this pastor to lead, si je laisse ce pasteur là conduire là, we waste our time. Va gaspiller notre temps. So I told Pastor Gwe, tell the pastor that his time is over. Je dis à Pastor Gwe, dis au pasteur que son temps est fini. C'est Madame Gwe, go and lead us more. Madame Gwe, viens diriger la prière un peu. Madame Gwe, ça, he know how to lead prayer. Like, he have prayer points. Madame Gwe, c'est comment simple, diriger there's la prière. Simple, no exaggeration. It's simple, il n'y a pas d'exagération. That old Christian life, the Holy Spirit should lead you. Like, Holy Spirit does not exaggerate. It's simple but powerful. Le Saint-Esprit n'exagère pas. Il fait les choses simplement mais puissant. Most of our leaders, they don't know how to lead prayer. Beaucoup de nos dirigeants ne savent pas comment they conduire la prière. They pray for themselves. Ils prient pour eux-mêmes. Pray. Prie. Pray. Prie. Pray. 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 Ta 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 ta. Ta ta ta. Apodura. Ditoa. Apede. Prie. Voilà. And you do that, it's only your voice change. Nothing change in your life. Tu fais ça, c'est ta voix seulement qui change. Sinon, rien ne change dans ta vie.
So I told them, so when they finished, I said, please hold me, allow me to talk. You are my own children. I don't care who. Quand ils ont fini, il dit, permettez-moi de parler. Those prayers you people were leading. Il dit, vos prières vous étiez en train de faire là. Pray into our realities. Lead us in our realities. Priez concernant nos réalités. You come to church. You are on mission. On est en mission. Father, God. Papa, Dieu. Provide for your work. Pour foi, pour ton œuvre. We want to do things in the souls. On veut faire quelque chose où il y a les âmes là-bas. Ah, God, your word say this thing. Seigneur, ta parole dit ceci. Des choses simples. Et on prie. Our reality are them. So use us for the nation. We are on another nation. He's using us already. I left Ghana, passed Togo, and I'm in Benin. It's using me already. Non, non, dit la prière, utilise-nous pour les nations. On a déjà quitté le Ghana, traversé le Togo, on est au Bénin. Il reste quelle nation encore? I'm in the nations. On est déjà dans les nations. Alléluia. I'm already in the nations. Je suis déjà dans les nations. Et Dieu va m'utiliser. No, that's true. C'est vrai. You see, that's why most of you, you waste time. C'est ainsi que beaucoup d'entre vous so we pray, but we didn't see anything. You didn't pray well. On prie quand tu pries, puis on dit rien. C'est pas que tu n'as pas topics. Bien prié. Et some zillions sister and brother want to make a say. Is one day I came to church and Pastor Christians and no, I think I was watching through the video. Say we are going to burn incense. I say eh, Allah do rafu. You know, is it incense or what did they say? Candle. Incense. You are going to burn. Last time I was telling you, they said, pastor in Nigeria. Il y a un pasteur en Nigeria. One of their pastors, he doesn't have, here is not that correct for him. Il y a un apôtre qui a sa face déformée. Christian, if you get cry, you will love your mouth to be twisted like grandma. Christian, si toi tu veux tuer, mets toi ton Dieu. I read that Christian doesn't walk straight now. When he's preaching, you he do like this. Christian marche plus droitement. Quand il marche maintenant, il est comme ça. I said, brother. I dit frère. I said, what is wrong with you people? Qu'est-ce qui ne va pas bien? I said, we are going to burn incense. Et on va brûler l'encens. We are ascending. Nous montons. And this, they don't sing our local song. These guys. C'est juste ils ne chantent plus they nos chansons locales. Théophilos song. Tout le monde, Théophilos. Yes. If the song is not Eya, 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 it si doesn't le chant n'est pas Eya, c'est qu'on ne sait pas. And they will tell you this, they don't say they are praying, they say they are chanting. C'est juste ils ne vont pas vous dire qu'ils chantent, ils vont dire qu'ils sont en train d'incanter. Give me your life. Donnez-moi vos chansons là. I am a soldier. Play the thing like you know them. Ribebeba, arobobo. I say ah. This is what they say. They are chanting. Et là ils disent qu'ils sont en train de chanter. Himba, himba, anumbaya, anumbebeba, ikodadadia, himba, kazuru. We have to ascend. We have to wait for Allah. Please, you are interpreting me. Please. You have to. I say, what is happening to us? Qu'est-ce qui se passe? The Holy Spirit is not an exaggerator. Le Saint-Esprit n'est pas n'exagère pas. It's a helper. Il est le consolateur. Il est so l'aide. Many people attempt. They say lead prayer. You must lead it. La if you are leading, people must understand what you are saying. Quand vous dirigez la prière, les gens doivent comprendre ce que vous dites. Où vous nous amenez? We are making noise, but prayer is not prayed. Nous faisons des prières sans toutefois prier et des bruits sans toutefois prier. And the topic the people are giving you don't understand anything. Et le sujet des prières les gens donnent, on comprend rien. Rien, parce que la personne copie ça de quelque part. Yeah. So when I called Madame Gwe, came and said, donc quand j'appelais Madame Gwe, you are convicted in you, like she's not giddy, but the topic you yourself you carry, you cook it for yourself. The prayer talk she gave as simple but straight. Le sujet de prière qu'elle donnait était simple et direct. C'était là même la vie des gens. We have to learn. Il nous faut apprendre. That's why we need teaching priests in our town. We need people to bring us to teachings because there are a lot of disorderliness. Parce qu'il nous faut des enseignants dans nos jours aussi, car il y a beaucoup de désordre. Many people cannot pray 10 minutes or 20 minutes
20 is too much. 10 minutes in their mother tongue. Beaucoup de gens ne peuvent pas prier 10 minutes même dans leur langue maternelle. For follow Jesus Christ ban come. Tu bo gelade ze yon mon pense. For me tap no. Mon pense. O amanu vela ma o. Mon gwa e gan wo. Obana mi mon popo mi van come. Hallelujah. For on to nya ba e view mi nya ba mo mo kolen kuma na o. And you go like that. You et go like that. Ainsi. You go like that. Vous allez you go ainsi. Like that. But many people can't pray in their mother. Beaucoup de personnes ne peuvent pas prier dans leur ethnie. Akata, 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 ima, ima, ayobo, ayobo, iadadadu. We have to ascend. Are you ascending? I say, where are these people from? Alors je me demande, ils viennent d'où avec tout ça? Zombie life of praying. You know, une vie de zombie en prière. Don't do their face somewhere. Les voisins, certains qui n'ont pas fait ces grimaces-là, ils ne prient pas. I say, what is happening to Alors, us? Alors, je me demande, mais qu'est-ce qui nous arrive? And they are changing the thing. The true prayer is gone. Et la vraie prière est en train de disparaître. C'est ça là qui est en train de devenir le standard maintenant dans l'église. And you realize that those people without the keyboard or strings, they can't pray. Et ce genre de personnes sans le piano, les strings, la musique, ils peuvent pas prier s'il y a pas always, de musique. If they are praying, they have earpin in their ear. À chaque fois qu'ils prient, ils ont au moins écouteur dans leurs oreilles. Pray like those man on call. You don't know them, man. Are you pretending here? They always pray on the man on key. Ils vont toujours prier this sur les accords mineurs. Doesn't know the line. Bien sûr, non. He's pretending, right? You, when you do like that, you think you are in spirit. The Holy Spirit can know. They play with your emotions. Voyez, quand ils font ça là, vous allez penser vous êtes en esprit. Non, la seule chose qu'ils font c'est qu'ils jouent sur vos émotions. Because your emotion there. Parce qu'ils éveillent vos émotions. It didn't come within you. La chose n'est pas sortie de votre body. C'est pas poussé par l'esprit, mais c'est juste là sur votre corps, votre peau. So the comforter or the helper is there. Talk to him plainly like you talk to a man or a woman. Le consolateur est là. Parlez-lui comme vous parlez un homme. And I realize that those prayers that is being done strictly, straightforwardly and simple is answered than those gymnastics we do. Et je me suis rendu compte que ces prières, ces sujets de prières simples et directes données sont plus exaucés que toutes ces prières de gymnastique. Yes. So many people you are here now, since you don't pray it, you don't pray like the Pastor Jonas, the Pastor Daniel, you might hold out. Et certains d'entre vous, maintenant vous ne God priez pas parce que quand vous ne priez pas comme les Pasteurs Jonas, Daniel là. They want to ask question. No, God bless you, Pastor. It's not a question, but myself, I've realized that if God wants to talk to you, it's not when you are doing noise. That's right. Like I've. Many times, if I want to, I'm quiet, I hear God, like if I'm shouting, like I'm doing it for something, but I'm quiet, like you are on your knee praying, you can receive instruction from God that this is what I want you to do, this is what I want you to do, seriously. God bless you, Pastor. Clap for Jesus. Alors, le pasteur dit que c'est très souvent lui dans le calme que Dieu lui parle quand il est à genoux en train de prier au lieu de sauter. Yeah, so in that, you know, the Holy Spirit, he likes this solemn time. Ouais, le Saint-Esprit aime ces moments doux, ces moments calmes. Because if I have something to tell you seriously, I will not scream and say it. Si j'ai quelque chose de sérieux à vous dire, je ne vais pas crier en vous le disant. Eh? Who is here, you marry or they marry you or somebody proposed to you before, even though you're in the bad way, that the person just stand in the market. Hey, girl! Qui est ici? I want you. No. Qui est ici qui a une fois été approché et puis quelqu'un lui dit, hé, hey, la soeur, je veux de toi, hein? Impossible. C'est pas possible. Because serious thing is being discussed in a serious manner. Que les choses sérieuses se discutent dans les moments sérieux. Every morning, the person talking about money. I go say now how much? Let's write. Because l'argent. Because I'm robbers.
Il dit, on va envoyer. Il dit, combien? Il dit, on n'a qu'à s'écrire. Alors, yeah. Écrivez. So, he said that alors, most of the time when God wants to talk to him, not in the noise. And that we saw it with Elijah. Et la plupart du temps, il a dit, quand Dieu veut te parler, ce n'est pas avec dans les bruits. He was waiting for the fire, the earthquake, but God didn't come. Et on l'a vu avec le prophète et Elie. And God only came. You are doing the presentation. At time you slow me. Please, pardon. You are my helper. Helper should help me well, Abby. At time you do like I'm the one interpreting. You have to think. Interpretation. You keep me so that I don't forget my mind because I'm supposed to say a long thing and I must cut it for you. So if I wait, I'll lose my mind. Please. I'm not a madman. Like I'm stuck in, I forgot the thing. Holy Spirit, help me. Yeah. So we all have to know that the Holy Spirit is not into noise. Donc nous devons tous savoir que le Saint-Esprit n'est pas dans les bruits. The prophets. He expecting God in earthquake, but God didn't come. He came in the still way. Le prophète s'attendait à Dieu dans le tremblement des terres, mais Dieu n'est pas venu, mais c'est dans un doux murmure. So your prayer will not exaggerate. If it's the Holy Spirit, be you, and He will blow on you. He will carry you up. He will magnify you. Donc n'exagérez pas. Soyez naturel. Soyez vous-même, et le Saint-Esprit va l'amplifier. The problem we have, Pastor Timothy, is that. When, for instance, we say, okay, three people are leading prayer. Par exemple, quand on dit trois personnes vont diriger la prière. By the time we say three people are coming, we are doing a prayer, whatever, a gala, a prayer, whatever they call it. Prayer experience. Experience. So when the first person is a par exemple, charismatic dit, person. Il y a trois personnes qui viennent et que la première personne est charismatique. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The power of God is here. La puissance de Dieu est ici. As we are praying right pendant now. Que nous prions maintenant. I can hear the sound from the heaven. The waves son. Are moving. Les vagues sont en train somebody de bouger. Begin to groan in the et spirit. Quelqu'un commence maintenant à grogner dans l'esprit. When the second person is not that kind of Christian. Quand la seconde personne n'est pas ce genre de chrétien. Il va dire ah aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. So, je vais aller faire quoi même. He will not. He or she will not be praying again. Et cette personne ne va plus prier. He's looking at how to meet the standard or pass. Elle va chercher comment être au niveau de la personne qui est venue avant elle ou dépasser. So you come also. Donc elle aussi va venir cette you personne. You have to do and you realize that instead of for us to have varieties in grace, we are repeating ourselves. Et de telle manière, au lieu qu'on ait une variété de grâce, on ne fait que se copier entre nous. And what betells us if the people have to be seven to lead prayer? Et malin à nous si ces personnes doivent être au nombre de sept pour conduire la prière. That's why you will hear one of the prayer leader will sing, Alawa kubaru isamidula. You say, are we sick? That boy forgot Asami. He sang some. Le frère là, un chant ghanéen, il a chanté ça. On l'appelle Brother Sammy. I said, ah, what is this thing? On se demande, mais. Because of competition. À cause de la compétition. Yeah, competition. À cause de la compétition. Because when they say, oh, the prayer was powerful, they say powerful because of the noise that was around. Et quand ils disent que la prière était puissante, c'est à cause de tout le bruit qui était là. Hein. C'est tout. Adam. Le vacarme. You are not even hearing what the person is leading us. Par moment, mais vous n'entendez pas ce que la personne dit. On nous yes. conduit là, on n'entend rien, on comprend rien. If the Holy Spirit is our helper, let's be we, be you. Si le Saint-Esprit so that he help you in you. Est notre aide, alors soyons nous-mêmes afin qu'il puisse nous aider dans notre nature. Another thing that makes it difficult for him, for the Holy Spirit to help us, is when we take the nature of another person and say no. What they give me to help is not this person you are giving me. Une autre chose qui fait que il est difficile que le Saint-Esprit nous aide, c'est que quand on va prendre la nature d'une autre personne, on copie quelqu'un, il va dire, c'est pas ce qu'on m'a dit de venir t'aider dedans. African pastors, they want to preach like Americans. Beaucoup de pasteurs africains veulent prêcher comme les Américains. Your audience are not Americans. Votre audience n'est pas américaine. You know those preaching, singing, preaching. Vous voyez ces prédications où on chante là. There's a brother in Ghana here. Il y a un frère au Ghana one ici. One prophet. They want to preach like Noel Jones. Il veut prêcher comme Noel Jones. I feel power here. Je sens la puissance de Dieu ici. I just came from the throne room of God, my friend.
And the drum you'll be hearing the drum. Buka, 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 buka. Yeah! Somebody say yeah! Yeah! You are not an American, please. I feel power here. Is anybody hearing not the sound of God? If the Lord is on your side, who shall stand against you? Somebody say yeah, yeah! Screams yeah, yeah! And I tell them, say, slap somebody, high five. When they say slap somebody, high five, they don't say slap, you know. They are talking. And we did a slap. Ah, bon d'accord. So, can you imagine? You are saying that in an African church. What did this salad dans une église africaine? Slap somebody, high five. Slap somebody, high five. Hey, bon, allumé. Yeah! Say Jesus! Jesus! Oh, Jesus! 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 Alléluia. Can you imagine? C'est un salon nous-mêmes. Instead of being we, so that the Holy Spirit help us. Au lieu que nous soyons nous, afin que le Saint-Esprit we are copying America. Nous copions l'Amérique. America is not Christianity. L'Amérique n'est pas la chrétienté. Yes. Oui. So if the Holy Spirit will help me and you, si pour que le Saint-Esprit nous aide, we have to be we. Il faut que nous soyons nous-mêmes. Simple and collect. Nous devons être simples et nous allons recevoir. You came as your, as the Holy Spirit have designed you to be. Venez tel que le Saint-Esprit vous a façonné à être. You know, some people they have charisma. We bless God for them. Il y a des personnes qui ont le charisme et on bénit Dieu pour ça. If you are somebody who talks slowly, talk slowly, the Holy Spirit will enter it. Si vous êtes quelqu'un qui parle aussi doux, parlez ainsi, le Saint-Esprit va vous y aider. Like last time, all our heart went when Madame Gwe was leading the prayer. Voilà, notre cœur, tous. You will be broken within. De l'intérieur, ça prie. You'll be broken within. It's like, c'est you know, brisé de l'intérieur. You know, the prayer topic the person is giving, you see yourself and you say, ah yes. Well, le sujet de prière you que donc, vous, vous vous retrouvez dedans, vous êtes témoin. Every day, Holy Ghost fire. Tous les jours, Holy Ghost fire. Le feu du Saint-Esprit. Every witch. Toute sorcière. Ah. We have prayed 3 hours, but we didn't pray. On a fait 3 heures, mais on n'a pas prié. Because we wasted our time. We didn't carry our knees before the Lord in simplicity. Parce qu'on a perdu notre temps. On n'est pas allé à genoux devant le Seigneur dans la simplicité. These days, many people, they can't pray soft. If they do it, they will fall into coma. Beaucoup de personnes en ces temps ils ne peuvent pas prier de façon douce. Sinon, s'ils essaient ça, ils vont dormir dans le coma. But we are getting there that we have to do it because prayer will be a nuisance to governance. Et nous sommes en train d'atteindre ce niveau où il faut prier dans le silence parce que la prière à haute voix sera une nuisance sur nous bientôt. Et ça a commencé. It's very important that you learn that one also. C'est aussi très bon que vous appreniez à prier. Attends, you are traveling. You can't be shouting. Par moment, vous voyagez avec un transport en public, vous ne pouvez pas crier. Vous êtes là-bas doucement. Et son avis de. Ce n'est pas tous les jours qu'il faut crier. And those who want to start like that, you get endurance. Most people who shout at one, they don't have endurance. Tous ceux qui crient en même temps là, là ils commencent en même temps, sont en feu, ils n'ont pas d'endurance. Father, ils commencent doucement, Seigneur, au nom de Jésus. God, I bless you. Je te bénis. Thank you for the opportunity to always come to your presence. Merci pour l'opportunité de me donner tout en venant ta Father, presence. In the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. I open up to your spirit. Je vais m'ouvrir à ton esprit. Sweet Holy Spirit. Douce Saint-Esprit. Influence my prayer life. Influence ma vie de prière. Carry me through. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Oh Lord, have mercy on me. Oh Seigneur, pitié. Lord, wash me. Seigneur, lave-moi. Father God, purify me. Père, purifie-moi. I come through the blood. Je viens par le sang. For justification. Pour la justification. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. As you are doing there. Pendant que vous êtes en train de faire ça comme ça, le Saint-Esprit sera en train de vous communiquer des sujets de prière. Because you didn't jump, you take it easy. Parce que vous n'avez pas sauté. As you do, then utterances will come. Ainsi.
aussi, then you vous can start speaking your tongues. Vous pouvez maintenant commencer à parler vos langues. Rabakata. Even speaking the tongue, it doesn't come boya boya. Même parler en langue là, ça ne vient pas brusquement. Tout doucement. As you are going, karabata, shibakata. At every baby. As you are doing, you are sending. Et pendant que vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de monter en esprit. Vous montez en esprit. Normally, when prayer is working, me, when I'm praying, ideas come. Moi, quand je prie là, les idées me sont communiquées. It's like a revelation. Say, ah, do this program. C'est comme des révélations. Fais go this, to this country. Va saisir dans tel pays. Fais telle chose. Ideas. Et les idées viennent. Apart from ideas. It can open things to you, people's life. À part les idées, ça vous ouvre aussi. Il peut vous ouvrir la vie des gens. Then you know you are sending because. Et si vous saurez que vous êtes en train de monter. If you are okay, what can he help? Donc si tout va bien, if you are strong, what en quoi il peut vous aider? Si vous êtes déjà fort, en quoi il peut vous aider? He's coming to help us. Il vient nous aider. And that's why when you are before the Lord. Before the Holy Spirit, you can't lie, be sincere. That's why the first step is between you. You are communing with him. Quand vous êtes you are talking that these things are difficult. Pas, soyez vrai et dites ce qui est. Ah, c'est dur, les choses sont difficiles. J'arrive pas à tenir ferme. Help me. Pour m'aider au Saint-Esprit. As you do that, you settle with you say, don't worry, let's go. La franchise possible et le Saint-Esprit, vous allez voir qu'il va vous aider à régler. Like in prayer, just say, let's take a walk. Let's take a walk. It's carrying you beyond this level that you know. Pendant que vous êtes en train de prier, dit bon, ok, marchons un peu. Il est en train de t'envoyer loin de ce niveau. So there's a certain boldness come on you. Il y a une certaine audacité. A certain awareness. Une certaine éveil. So when you grab the awareness, don't sleep with it. Et donc quand vous avez l'éveil, ne dormez pas avec. Use it. Utilisez-la. Use it to evangelize somebody. Utilisez cela pour prêcher à quelqu'un. Use it to lead prayer. Utilisez cela pour diriger use la prière. Use it to preach. Utilisez cela pour prêcher. Even when we don't give you prayer assignment to lead people or to preach, ask please. The Lord put something in my heart, but I'm not saying anything. Anytime you are ready, I'm available. I can lead prayer. Même quand give me one of the Wednesday, I have a word. So that your pastor will say which word. Let me verify. If it's good, say okay. Okay, I'll fit you in so that you are applying the thing, or you grab somebody and do Bible study with the person by fire, but so because you have something, there's an awareness that donc, you have. Quand received. Vous avez cet éveil là, appliquez-vous à faire tout ce que la Bible demande. Par exemple, exhorter, vous pouvez diriger la prière, vous proposez que vous êtes disponible et vous verrez. Alléluia. Alléluia. So it's supposed to help me and you. Et il est supposé vous aider et m'aider. So all these challenges to our holiness, the Holy Spirit is there to help us. Et tous ces défis qui sont dans notre sanctification, le Saint-Esprit est là pour nous aider. The Holy Spirit will lead you to deep understanding inside. John 14, 26. Le Saint-Esprit va vous conduire dans une profonde compréhension. John 14, 26. Nous allons lire Jean le chapitre 14, le verset 26. Jean chapitre 14, le verset 26 nous dit ceci. Mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Amen. 14, 26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and bring to your remembrance all things that I have said to you. Amen. Yes. The Holy Spirit is a teacher. Le Saint-Esprit est un enseignant. So if even in school or whatever you are learning, he say he will teach you what? All things. All things. Yes. Quoi que vous appreniez, que ce soit à l'école ou quoi, la Bible dit qu'il vous enseignera toutes choses. Même la médecine. Mathematics. Les mathématiques. He will teach you all things. La Bible dit que le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses. Il est notre aide. Donc faut lui demander. Help me, Holy Spirit. Can somebody say that right now? Que quelqu'un le dise maintenant. Aide-moi, Saint-Esprit. Help me, Holy Spirit. Aide-moi, Saint-Esprit. You see now that Jesus, God, Holy Spirit, they are available for us. We who are not ready. Et vous voyez, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit sont disponibles, mais le problème c'est nous qui ne sommes pas prêts. Yeah. He will teach you. Et il va vous enseigner.
think about it. If you truly you have been using going to the Holy Spirit to help you, you will not be here now. En vérité, si vous avez demandé au Saint-Esprit de vous aider, vous ne serez pas à ce niveau maintenant. Help me to talk well. Aide-moi à bien parler. Help me to act well, behave well. Aide-moi à bien agir, à bien me comporter. Praise God. Gloire à Dieu. The help of the Holy Spirit. L'aide du Saint-Esprit. Romans chapter 8, 26. Romains chapitre 8, verset 26. The Holy Spirit guides us. He helps us in our prayers. He guides us in our prayers. Il nous aide dans nos prières. Alors, Romains 8, verset 26 nous dit ceci. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. L'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Amen. Romans 8, 26. Likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Amen. You see, it's not the will power of a man that speaks in tongues. The Holy Spirit must lead. Ce n'est pas de la volonté de l'homme qui fait parler en langue, mais c'est le Saint-Esprit. Himself make intercession. He guides us. Il dit, le Saint-Esprit intercède en nous. He helps us. Il nous aide. And that's why anytime you are humble to truly pray, you see, most prayers who are congregational are prayers of the flesh, because we pray for people to see. If I don't pray, pastor say I'm not praying. La plupart des prières d'ensemble sont des prières charnelles, parce que les gens vont prier et vont dire si je ne prie pas, pastor va dire je ne prie pas. Even the prayer leaders also believe that if everybody is vocal, then they are praying. There are times it's not like that. Pastor Jonas, Pastor Dalia, at times they are not shouting, but you know they are praying. Et les those divisions, one you can't say they will stop. You can sense the atmosphere is heavy with prayer. You know, people are doing their movement, moving there. But this, when they say you are praying, somebody kneel down sleeping, others are yawning, you know that they are not praying. Apart from those things, somebody can be calm, it's not shouting, but it's very involved. Et le problème, c'est que la plupart des dirigeants de prière pensent que c'est quand les gens sont audibles là qu'ils prient. Mais il y a des personnes qui prient sans toutefois crier. Et l'homme de Dieu nous conseille de prêter attention à ce mouvement de l'esprit pour le laisser couler. Mais les prières où les gens sont à genoux, d'autres dorment, d'autres baillent, ça, c'est pas de ça que je parle. Yes. Non. So he's our helper. Il est notre aide. Not only you, he want to help your marriage, you help your husband, your wife, il your ne children. Veut pas seulement t'aider toi, il veut même aider ton mariage, il veut aider ton mari, il veut aider ta femme, il veut aider tout ce qui te concerne. The Holy Spirit help you or help us to do the will of the Father. Le Saint-Esprit nous aide à faire la volonté du Père. Acts 8, verse 29. Acts chapitre 8, verset 29. Acts chapitre 8, le verset 29. Acts chapter 8, verse 29. Acts chapitre 8, verset 29 nous dit. L'Esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Amen. Acts 8, 29. Then the Spirit said to Philip, go near and overtake this chariot. Amen. There are chariots that you must, that are will of God for you. Many people are confused. The Spirit of God can lead you to it. Il y a beaucoup de personnes qui sont confuses. L'Esprit de Dieu va vous conduire vers elles. Hmm? The Spirit say, Philip, join. The Spirit. Not his pastor, the Spirit. Ce n'est pas son pasteur. Not his mother, the Spirit. Ce n'est pas sa maman, mais l'Esprit a dit à Philip. Read it again, the English word. Acts 8, 29. Then the Spirit said to Philip, go near and overtake this chariot. You see, it's not doing it for himself, but the Spirit asks to, that he should do. Il ne le fait pas pour lui-même ni par lui-même, mais l'Esprit le lui a demandé. So the man, the woman you want to marry,
Did the Holy Spirit say, go and take this chariot? Donc, l'homme, la femme que vous voulez marier, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous a dit, allez prendre ce char là? Even say, overtake it. Il lui a dit même, go. Domine le char là, va. Dominic, this chariot called Augustina, the Holy Spirit told you to read. Let me see what the Holy Spirit will be telling them. Verse 29. Then the Spirit said to Philip, go near and overtake this chariot. You hear the words, go near. Did the Holy Spirit say, go near to Augustina? Il a dit, va, rapproche-toi. Pasteur Dominique, c'est le Saint-Esprit t'a dit de te rapprocher de la sœur Augustina. Il dit, rapproche-toi. Go ahead. Verse 30. So Philip ran to him. Yes, some of you, the Holy Spirit didn't say go near, he didn't say overtake, but you ran. Certains d'entre vous, le Saint-Esprit n'a pas dit rapprochez-vous, ni prenez, et vous avez couru parce que au verset 30, il a dit Philip courut. The Holy Spirit didn't say anything. Le Saint-Esprit n'a rien dit. Philip, the Holy Spirit told him, go near and overtake this chariot. Le Saint-Esprit lui a dit, va vers le char et marche à côté de lui. Some of you, Holy Spirit didn't say anything. You yourself use your mouth on the lady already. Vous certains d'entre vous, le Saint-Esprit n'a rien dit. Vous avez déjà utilisé votre bouche sur la sœur. Sister, you know there are many guys. So if I don't say it now, they will overtake me. Il y a trop de garçons ici. Je ne vais pas parler maintenant. Quelqu'un va me dribbler. So take it now. En même temps, prends maintenant la sœur. Je suis là. It's the Holy Spirit who told Peter, Philip, go near. C'est le Saint-Esprit qui a dit à Philippe, and overtake. Toi et marche à côté de ce chat. Read the 29 to 30. Faut lire du verset 29 à 30. Acts 8, 29 to 30. Then the Spirit said to Philip. Alors l'Esprit dit à Philippe, go near and overtake this chariot. Avance à ce char et marche à côté de lui. So Philip ran to him. Philippe courut. And heard him reading the prophet Isaiah. Et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Isaïe. And said, alors il lui demanda, do you understand what you are reading? Comprends-tu ce que tu lis? He established a conversation because the Spirit said, go near, overtake, and run. Il a établi une conversation parce que l'Esprit lui a dit, rapproche-toi, marche et cours. Sisters, les sœurs. These the sisters also propose. Ces jours-ci là, les sœurs maintenant font la cour aux hommes. No, yes. Oui. Yeah. Me, I have sisters who propose to me. Moi, j'ai eu des sœurs qui m'ont fait la cour. Well, I remember one. He said, Philip, I have to tell you something. Je me rappelle, il y a une qui m'a dit, Philippe, il y a quelque chose que je dois te dire. It was midnight. We were from the park. Et il était à minuit. On venait du terrain. I said, okay, let's talk. So we sat on a stone somewhere. Il dit, bon, parlons. On s'est assis sur un caillou quelque part. He said, I don't care what you think about me. If I say it, you think I'm a bad person, but I have to tell you. Dis, je m'en fous. Si tu penses, il te dit que tu penses une mauvaise personne. En tout cas, moi, il a parlé. I like you. Il dit, Philippe, j'aime ton affaire. I laugh. I love but I be quickly. I read a book. I say, hey, Yahweh, wow, here we day now. If I laugh, you don't know. I laugh quickly. I say, ah, sister. J'ai ri rapidement. Je me suis ressaisi. Dit, sir. I start encouraging. I say, I like your courage. J'ai commencé à l'encourager. Dit, j'aime ton courage. I like your courage. You are a bold person. J'aime ton courage. Tu es une and personne the truth courageuse. Is that you are a nice lady. Because la I have to run away. Because we are in the darkness. Sir, on était dans les ténèbres, dans le noir. I don't, but. Myself, ladies like proposing to me. So moi-même, les filles aiment me faire la cour. Yes. And I ran away. Et je fuis. And any lady around me, that this lady will fight them. Et toute seule qui vient à côté de moi, la seule, elle va faire palabre. No. That's why I said, those your lies. We know those lies. C'est pourquoi on vous dit que vos couloirs où vous êtes là, on est déjà passé là-bas. And the people who propose to me, if I tell you, you laugh. Les gens qui m'ont fait la cour, si vous dites là, vous allez rire. They are born once, born two. Elles sont un three. Enfant, deux enfants, trois enfants. Because that's the battle in my house. Parce que ça, c'était le combat de ma maison. The men in my house marry people who have children already. Les hommes de ma maison ont marié des femmes qui avaient déjà des enfants. I went to Abidjan. Je suis allé à Abidjan. One woman also was a born one.
Il y a une femme aussi, elle avait un enfant. I told you one day I was preaching, I saw that this what you call goosebumps. J'ai vu la chair de poule sur elle. Il dit, mais je suis loin. So we close. Ah, prophet, I want to see you. Quand il finit, il dit, prophète, je vais vous voir. C'est ok. J'ai dit d'accord. We sat in the same church. Dans la même église où j'ai rendu ministère, on s'est assis là-bas. Prophète Philippe, tu sais. Et prophète Philippe, do you know? Je t'aime, tu me plais. I love you, I like you. Je te disais, okay, I wanted to tell you that. See, ça c'est quoi encore? That one to Ajama. Another one half. Triplets. Là encore, il fut ça. Il y a une autre, elle allait tripler. Trois enfants. He was even with a man. Elle-même, elle était déjà avec un homme. He said, you have received that I'm a ministry husband. Elle dit, elle a reçu que je suis son mari de ministère. That he see that we are doing ministry. Elle dit, je vois qu'on faisait le ministère. One of the things that killed it was one old woman. L'une maintenant qui a tué la même là, ça c'était une vieille femme. That one day I got angry. Salamé, je me suis fâché. This old vieille femme là. First, I thought she was a joke, you know. I said, au début, moi, je pensais qu'elle jouait, mais il dit, ah, old lady, une vieille femme. If she see me now, she will go and change like two times already. Si elle me voit, donc elle va aller se changer déjà deux fois. When she change, she will put some old bag. Will be walking. Et puis qu'elle s'est changée, elle va aller prendre un vieux sac à main. Là, tu la vas marcher maintenant. Défilé de mode. This is what I'm saying. Ah bon, I was angry. C'est que je vous dis là, j'étais fâché. And she was saying that God says so in my heart. I'm afraid. I say, hey, so God, elle a marié un old lady. Donc il a dit, donc Dieu, j'ai marié une vieille femme. So when he see me, he want to greet me. One day he want to greet me. I say, he say, prophet, je veux te dire, j'aime pas ça. She came and said, I want to greet you. I said, I don't like this. I went to her pastor. I said, warn your church member. Je suis allé à son pasteur. The pastor was also smiling. I said, ah. J'ai dit au pasteur, parle à tes chrétiens. Lui aussi, au lieu de parler, il sourit. Yes. So, there are times women propose to guys. Donc, par moment, les filles font la cour aux garçons. Some of you are here. You know what you have been doing and what people have been doing to you. Certains d'entre vous qui êtes ici, vous savez ce que vous faisiez et ce que les gens vous ont fait. Alléluia. Alléluia. But Philip heard the Holy Spirit. Mais Philippe ici dans la Bible a entendu le Saint-Esprit. Go near. Le Saint-Esprit lui a dit, rapproche-toi. Overtake it. Marche. And run. Et court. So it's good that whatever you are doing, whoever you want to marry, the Holy Spirit will help you to do. Donc so. Il est bon que quoi que vous fassiez, qui que vous voulez marier, que le Saint-Esprit vous instruise d'abord. It's very important. C'est très important. Whether job, traveling, que ce everything. Soit le travail, les voyages, toutes choses. Even friends. Même les amis. There are people that the Holy Spirit will tell you that make this friend. You know, there are people God tell you that. Take this person serious. It's a conviction. Il y a des take personnes pour qui Dieu, le Saint-Esprit vous dit, prenez la personne au sérieux. C'est une conviction interne que vous recevez. At times, it's not only marriage. Like, par moment, ce n'est pas pastor, pour le mariage. It can be your the person is your biological mother or father, but God carried the thing. He warned you about it. He said, take this relationship serious. Père, votre pasteur, même votre parent biologique, le Saint-Esprit a dit, prends cette personne au sérieux. Fais attention à elle. The Holy Spirit is always there to help me. And le Saint-Esprit est toujours disponible pour nous aider. No, ask him. Just ask him. Vous demandez-lui seulement. Some of you are working somewhere, things are hard. Certains d'entre vous qui travaillez, que au travail c'est dur, demandez-lui de vous aider. And when you say Holy Spirit help me, take your time. Et quand vous dites Saint-Esprit aide-moi, prenez votre temps. And you see, with time, he will give you an idea. Vous allez, or he send a helper to you. Vous allez voir avec le temps, il va vous soit vous donner une aide ou il va envoyer une idée ou il va envoyer quelqu'un vers vous. And one, maybe the one of the last thing I want to say, the Holy Spirit, he helps us to love. He impacts us with love. Le Saint-Esprit nous aide à aimer. Il nous impacte avec l'amour. Romans chapter 5, verse 3 to 5. Romains 5, verset 3 à 5. There's no way that you can show love if you are not impacted with the Holy Spirit. Il n'est pas possible que love. Vous démontriez l'amour si le Saint-Esprit ne vous a pas impacté de l'amour. Donc Romains chapitre 5 verset 3 à 5. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. Verset 4,
La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Verset 5. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Amen. Amen. Romans 5, verse 3 to 5. Mm-hmm. And not only that, but we also glory in tribulations, mm-hmm. knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. Now, hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit, mm. who was given to us. Read the 5 again. Verse 5. Now hope does not disappoint. Hope does not disappoint. Go ahead. Because the love of God has been poured out in our hearts mm-hmm. by the Holy Spirit who was given to us. Amen. Amen. The love of God has been poured into our heart by the Holy Spirit who has been given unto us. De l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. You see, there are, I realize that Christian life is the easiest thing you can have on it if you depend on the Holy Spirit. Je me suis rendu compte que la vie chrétienne est la chose très simple qu'on peut avoir sur la terre si on dépend du Saint-Esprit. Let me tell you a truth. Laissez-moi vous dire une vérité. If truly you want to make heaven, si en vérité vous voulez hériter le royaume des cieux, maybe if God help us, I'll teach about it. Et si Dieu nous aide, judgment will be around your love, not your power. Not your English, not your tongues, your love. Le jugement sera autour de votre amour, pas de votre puissance, votre connaissance linguistique, mais votre amour. Judgment. Le jugement. You see, that's why Jesus told them that you are not Elijah. C'est pourquoi Jésus leur a dit, vous n'êtes pas Élie. They say you want to call fire. I say you are not Elijah. Vous voulez invoquer le feu, vous n'êtes pas Élie. He said the spirit that is in you. Il dit l'esprit qui est en vous là. It's not that for calling fire on people. Ce n'est pas un esprit qui invoque le feu sur les hommes. That spirit must even love his enemy. Cet esprit qui est en vous doit même aimer ses ennemis. And that's why begin to judge yourself on the platform of love. If you hit that side, power, other graces will come. Love your neighbor as yourself. Commencez à vous juger sur la plateforme de l'amour. Si vous arrivez là-bas, la puissance et le reste là-bas suivent. If you love somebody, you don't gossip or destroy the person. Si vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas commérer contre la personne ni la détruire. Try in your love life. Try. Faites l'effort dans votre vie d'amour. Faites l'effort. Like, don't eat alone. Ne mangez pas seul. Think of other people. Pensez aussi aux autres. Share. Partagez. Don't be saying my thing. No. Ne dites pas ma chose. Non. You have to give one to somebody. Quand vous avez deux, donnez un à quelqu'un. You say some of you, because you are a hustler, your parents were hustling. You yourself, you were born in hustling. You know this patapa in Azan. You were born in it. It's what you claim that is yours, but in the kingdom, you must give out. Vous voyez, dans notre vie naturelle, nous c'est ce qui nous attrapons qui est pour nous et c'est pour nous seuls. Mais dans le royaume ici, ce que vous avez, vous partagez avec les autres. Share, partagez. Last time Sunday, I was talking to my sister Auntie Vic. I said, I even said it in Togo. I was teaching somewhere. I said, those gifts. Auntie Vic is here. Our mission failed. You see her shit on there. You see her flower. You know. Tom Brown cake, you know, he doesn't go with us by his arms, her arms, her giving. Elle ne va pas, avec nous physiquement, mais ses dons sont là-bas avec nous, présents sur tous les terrains de mission. Yes, they will say, oh, Pastor Philip's sister. I was preaching somewhere last time in Togo. Bush last Saturday, so I was using her for testimony. While people were there were beneficiary of Tom Brown. Pendant même que je parlais là-bas, ceux qui étaient là-bas ont bénéficié de ce Tom Brown, de ce Chito. Your love life. Votre vie d'amour. On that day of judgment, the great men will not be the people who raise the dead. It are people who show love. That's why I say, when I was sick, you didn't visit.
in prison, you didn't come. He didn't say that you didn't pray for me to be healed. He said, when I was sick, you didn't visit. Visit. Me, Saturday, I'm going to Vivian's funeral. Ooh, that you don't want to go. I don't mind. I will go. Because we can't leave Vivian alone with this thing. He said, church, you have to repent. You don't, if your opportunity to show love, you don't even give me love. So you are doing it to yourself. Voyez, le jugement sera sur l'amour. Yes. C'est pourquoi Jésus a dit, quand j'étais malade, see, when you are giving excuses, and one day something will happen to you, you know that woman means are better than money. Quand vous avez des prétextes et des excuses, un jour quelque chose va vous arriver, vous allez comprendre que les êtres humains sont mieux que l'argent. Yes. Oui. Human beings. Les êtres humains. Hein? Là, I was here last time, Pastor Sammy or somebody said, and whoever want to go should write their name. Did anybody write their name? J'étais là la dernière fois, Pastor Sammy a dit, pour le funérail de la main de notre soeur, ceux qui veulent partir, venez vous inscrire. En tout cas, personne ne s'est inscrit. Yes. Jusqu'ici. Even me myself, for you two people to come to my father's funeral. Sammy, people say, oh, they want to come the same day. I say, what? We are doing church. You see, when you do like that, we don't talk. But in my heart, as a pastor, it's like, these people don't love me. Même au funérail de mon père, yes. Façon vous êtes venu quitter, quand j'ai regardé, non, ces gens-là même pas. Because be your pastor to now. Somebody supposed to look for my car. He don't drop the money. And I'm still struggling right now. Étant votre pasteur, quelqu'un qui devait aller m'acheter ma voiture à dépenser l'argent. Et jusqu'à présent, je lutte. Hmm? Et tout ça, c'est pour vous servir. Yes, there are times I'm embarrassed. There are times I say, à un moment, je suis gêné, embarrassé. Yes. Any of you, even if you release your car key to me, you've done a good thing. I didn't rob you. If you même si vous me donnez la clé de votre voiture, je ne vous ai pas volé. C'est une très bonne chose que vous auriez faite. But let's forget about me. But yourself. Mais oublions-moi, entre vous-même. Hmm? Somebody is coming to church. You know that the person is struggling. His dress is. Personne vient à l'église, vous savez que la personne lutte. Ses habits ne sont pas bien. Yes. There are people, even missionary anti-vic, who sew dresses for them. Les missionnaires anti-vic va coudre habits pour eux. Ah, somebody testified there. You just somebody also. You just said Dominic. Somebody. You see, this is Christian life. It's not always kade, akude, akada, akankro. La vie chrétienne est une vie d'amour et de partage. C'est ça les œuvres. Judgment day, you'll be shocked. Le jour du jugement, vous serez choqué. At time, I watched some of our brother. Prince is there. Prince is there. Prince is not selfish. He have many serious things. It's not correct with that boy. But Prince is not selfish. Prince a beaucoup de choses qui sont pas correctes avec lui, mais il n'est pas égoïste. You must share. You know, some people you must share. You have a faut love partager. Life. Partager. Vous avez une vie d'amour, mais certains. They will eat and they will clean their mouth. They will do like they are dying. Manger, but he have eaten. Ils vont cleaner. Vont nettoyer leur bouche comme si rien n'est passé. We are suffering. Ils sont, one day, suffer. I send them to, I will not call the place so that you know the pastor. I send Prince and some people to one pastor somewhere. Don't check my finger, but I send them somewhere. J'envoie Prince et les autres chez un pasteur. And the pastor? Et le pasteur? My person send the pastor money. Moi, mon quelqu'un envoie l'argent au pasteur. And I know. Et je sais. So I don't have money to give them also. Donc je n'avais pas aussi d'argent pour leur donner. So I called there. J'ai appelé là-bas. So they were telling me that the brother say nothing. They ask, nothing. Le frère dit qu'il y a rien. Je leur dis comment? Rien. Au moins money nous. On voit si on vient de lui donner ça. Il a l'argent là-bas. Ils ont dit. Ils ont dit everybody is suffering. So far. Il dit tout le monde souffre. Il y a rien. What the Western Union? But he behave like. Il allait prendre Western Union, mais il se comporte comme. People just do and go so that I spend my thing. Il a dit quitter là pour que moi-même je dépense mon. Judgment beyond love. Le jour du jugement, le jugement sera sur l'amour. Your neighbor. Votre prochain, votre prochain. We hear the story of the good Samaritan. On a entendu l'histoire du bon Samaritain. Hmm? Something happened to somebody. Like somebody give birth, they say contribute. 2 years you have not given your own. A donné naissance, on dit contribution. 2 ans jusqu'à là, vous n'avez pas encore donné pour vous.
Somebody's parent pass away. Le parent de quelqu'un est décédé. They didn't say come and cry. They say oh, non, même give 50 Ghana. On dit donne 50 Ghana seulement. You see, if you don't train yourself with those things, when you marry, you suffer your wife. Oh. You suffer your wife. Si vous ne vous formez pas dans ces choses-là, quand vous allez marier là, vous allez souffrir. You can't give chalk money. You can't buy donner l'argent de popote. A dress for. Vous pouvez pas acheter un habit pour votre femme, pour vos enfants. Last time when mama traveled with the children, la dernière fois quand maman voyageait, les enfants qui venaient, they were coming from abroad. Et ils venaient de l'Occident. Some cloth. J'ai acheté des pailles. With Madame Gwe. Avec Madame Gwe là. It came now. I open. I put it on the bed. Designing work. Cloth. Quand il est venu là, il a mis sur le lit. Bien. He's from America with America bag, but there's a husband here. Say welcome wife. Elle vient de l'Amérique avec des sacs américains, mais il y a un mari qui dit bienvenue ma femme. Get some chocolate, get some champagne. Petit chocolat, un jeune champagne. When you open the room, say gagam. Quand tu ouvres la chambre, gagam. You can call it India love, Shekina, Shekina. You can call it. I don't care. Appelez-le. Gagam. Yes. Oh God. You must learn how to do it. And il apprendre comment le faire. The day you don't have it, et le jour vous n'avez, you know that if you have it, you have done it. C'est que si vous aviez, you are there, your wife just watch you. Say, d'être là-bas votre femme. You are changing your shoe, seeing you, but say there's no money. Change ta chaussure, mais tu dis y a pas l'argent. If you don't learn it, you can't do it. Your children si will suffer. Si vous n'apprenez pas, vous ne pourrez pas le faire, et vos enfants vont souffrir. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. And you see, it's an attitude. Love life. Let's check our love life. C'est une attitude. Alors vérifions notre vie d'amour. What does it kill? You are eating something. You say, ah, this is plenty. Hey, sister, where are you? Brother, where are you? Qu'est-ce que come, ça come, va come. Te faire? Where are they? Come now. Tu es en train de manger quelque chose, c'est beaucoup. Tu appelles ma soeur, mon frère, tu es où? Venez maintenant me trouver. One soup you cook. Eh? You are doing 31 days with the soup. La seule sauce que tu as préparée là. You fait 31 jours avec ça. You know, fridge make people are selfish in our days. Go to your fridge. There are plenty robbers. Some okra about 2 years. You tie it. It then inside. You eat the tina. That kotojo to be left inside. You tie it. You put it somewhere. And the tina inside the thing. Cluy, 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 cluy. We don't share this day because we have the freezer. Les frigos ont rendu les gens égoïstes. Les petites sauces, les viandes ici, c'est beaucoup là-bas, petit petit dans les sachets. If not, me, I can't have a car and we are living here and nobody, there's a space. I'll say, who is going? Moi, je ne peux pas avoir un véhicule que je quitte ici et il y a un espace. Mais qui va vers ma direction? Some time ago, we had a brother in this church. He will park his church, his car and climb the wall and come. Un moment, on avait un frère ici, il va garer sa voiture là-bas et il va sauter la clôture. Even when they didn't block here, he will park the car in a corner somewhere. He will come with a leg like this. He come with a car. He will just be here. He just do like this. Because he doesn't want to carry the money. Comme il ne veut pas prendre les gens, il garde sa voiture loin et il vient à pied. Love. L'amour. Judgment will be around your love. Le jugement sera sur l'amour. If Bible says we should love our enemy, si la Bible is it my neighbor I can love? Ennemis, est-ce que c'est mon prochain, mon voisin que je peux pas aimer? Is my number I come. Love God's people. Aimer les gens de Dieu. Read Romans Hebrews 6 verse 10 quickly. Let's close with that. On va lire Hébreux chapitre. Any 6. Good things you are doing to God's people, God's work, it will be remembered. Hébreux chapitre 6 le verset 10 nous dit ceci. Car Dieu est du bon côté. Attention. Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. Amen. Hebrews 6, the verse 10. For God is not unjust to forget your work and labor of love which you have shown towards his name, in that you have ministered to the saints and do minister. Amen. You see? He says it's not unjust to forget your labor that you have ministered to the saint and you are still. It means that you don't say, we do this thing and nothing can know. You did it good and you are still doing.
He said he will not forget it. Ici la Bible dit qu'il ne va, il n'est pas injuste pour oublier les bonnes œuvres que vous avez faites pour les saints que vous continuez de faire. C'est pas pour dire j'ai déjà fait donc je fais plus. Il faut continuer juste à ce qu'il dit. Yes. Oui. We have Pastor Chris and Pastor Claude were in Dimokro. Last time I had some money, so I said, so for go to Dimokro. When I give him the money, he said, oh, Pastor Atu, I said, is it church money? Baba Venkunya or Dimokro. Venkunya. I said, brother, it don't be church money. Oh. J'ai donné un peu d'argent parce que Chris dit, Papa augmente. C'est pas la yande de l'église. La money, I for chop, if they chop money. But for God's law, go et c'est à cause de l'amour de Dieu. Brother. J'enlève dedans, il dit tiens, il me dit augmente. I didn't say it's not God money, God's money, but I say it's not church money. Je n'ai pas dit c'est pas l'argent de Dieu. Il dit c'est pas l'argent de l'église. So you have to understand that we all have to learn how to love the brethren, love the work of God, make things easy. Nous devons apprendre à aimer les frères et sœurs, aimer l'œuvre de Dieu. We are doing fasting. Rendre les choses très faciles, par exemple, on en jeûne. We didn't talk about porridge because on n'a pas parlé de bouillie là parce que. Mm-hmm. Voilà. But normally our fasting, we've been cooking. Normalement dans nos jeûnes, on prépare, it's n'est-ce pas? Time of colonia. C'est un temps de communion. Even there are times we close some of us, we take some of the porridge home. Is it not nice? Par moment, when will you work for God with your money? When? C'est when quand again? Votre argent va servir à l'œuvre de Dieu. Quand? When again? Quand encore? When again your money, your giving will work for God? When again if you can't do it now? How much it will take? Is it a week? You know, if you want to do, you can't spend more than 1,000 if you say you want to buy porridge and bread. But because there's no angel Gabriel and Michael who came, praise the Lord, I've been sent by Elohim. These 21 days, Dominique. I call it three times, one for God, one for Jesus, one for the Holy Spirit. Un pour Dieu, un pour Jésus, un pour le Saint-Esprit. C'est Dominique. Dis Dominique. You have to take care of 2 days. Tu dois prendre soin de 2 jours de bouillie. You see, Hannah, you come Sunday, say, testimony time. Tu vas voir, quand dimanche tu vas venir, donne-lui témoignage. I was there sleeping. J'étais là, et dormais, j'ai eu un songe. A shock. J'étais choqué. Like even this one I'm saying that somebody here, même ce que je viens de dire là, put it in your heart to buy, so it's not necessary. Are they not used to it? Quelqu'un reçoit ça, me va dire non, c'est pas nécessaire. De toute la façon, honestly, we come when Pastor Asami say we do offering. No offering, you should do it, but at time I wish you don't do it because I've been taking some of you where you are coming from your transportation. Par moment quand le pasteur dit offrande, if me I have a car, put it here, they'll be carrying you. J'aurais aimé qu'on ne fasse pas les offrandes, sinon, mais parce que quand regardant là où vous, d'où vous venez, mais c'est important aussi. Because I know that loving God is to love the people you are leading. It's parce true. Que je sais you que can't say you love God, you don't love Dieu, me. You don't love your pastor, love the church. No. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, vous n'aimez pas votre pasteur, vous n'aimez pas l'église, c'est pas possible. Yes, most of us, God tells us things, but we don't do it. La plupart d'entre nous, Dieu nous dit des choses, mais on ne les fait pas. There are times I'll be in mission, I'll call Betty. À un moment, je peux être en mission, j'appelle Betty. There's a name when I call, you know, say this name na money name. Il y a un nom quand je lui dis là, elle sait que c'est pour prendre. When I say my doctor, she herself say, ah, pastor, God, I received that I should send something. Quand j'écris ma doctor, ça m'entend dit j'ai reçu qu'il doit envoyer quelque chose. When I say my doctors, quand j'écris là-bas my doctors. But why should we be sending message? Pourquoi devrions-nous envoyer un message? If the Holy Spirit is our helper, it should remind you that, hey, in this left here, that place they need this, they need that. Si le Saint-Esprit est donc notre aide, nous devons être capables de nous souvenir d'où il y a les besoins et aller aider.
see, if you don't give, you don't know what I'm talking about. Si vous ne donnez pas, there are people I give to, the people are thanking you, but in my heart, I say, it don't be you. Like you are fulfilled. It's like you solve, you deliver somebody. Souvent tu donnes, les gens disent merci, mais tu ne les rires pas parce que tu te sens accompli. You deliver, you are fulfilled. Tu viens de délivrer quelqu'un. À l'intérieur de toi, tu accomplis. Why you don't go to hospital? Pourquoi n'allez-vous pas dans les hôpitaux? C'est votre vie d'amour. You know what? Pastor Sammy was telling me somebody who pay medicine. Eh? The medicine the person pay $9,000. He pay a lot of medicine. But whether monthly or weekly. He say, hey, look at me. So since you want to chop alone, you will pay with doctors. Quand vous voulez manger ceux-là, vous savez, les docteurs, vous allez payer l'argent. Yes. Oui. You just be there that horns will be appearing in your nose. Là, yeah. So they say they have to do operation and cut. Can you imagine? Are you a zombie? Il y a des cornes qui apparaissent dans vos narines. On dit, on va horns appearing in your nose. Il y a des cornes qui apparaissent dans vos narines. This is something appearing in your anus. Il y a quelque chose qui sort dans they son say they are doing the test in South Africa, from South Africa, from Australia. On dit, on va faire ton examen en Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud en Australie. Only torch in your anus. Can toi, tu marches, c'est dans ton anus, tout le monde allume torche. They say they are watching. They say They will call all the doctors. On va appeler tous les docteurs. On va t'utiliser maintenant pour étudier, pour enseigner les élèves. They give me a name like that, anus cotos. They give me a name. Et ils vont donner un nom à ça. Anus cotos. You are traveling. They say do mission. You say no. You do mission. On dit d'aller en mission, tu ne te vas. Maintenant là, tu vas voyager pour tes soins. I will not pay tithe offering. Je ne paye pas ma dîme. Je ne donne pas offrande. Go and love somebody. Allez aimer quelqu'un. Go ahead. Oh, I say love, not sexually, please. I'm not talking. Je parle pas de sexe, s'il vous plaît. Like, be there for somebody. Vous dites que soyez disponible pour quelqu'un. Like Vivian, they left here. Somebody has called. Have you people reached? How's the place? Comme la sœur Vivian nice. Est quittée, s'il faut appeler pour dire, est-ce que vous êtes arrivé? Comment ça se passe là-bas? Comment ça va? I'm praying with you. Je prie avec that time vous. I will go to mission. If I don't come. Some people do not call me. À un moment quand je vais en mission, si je ne viens pas les gens vont même pas m'appeler. C'est moi qui suis en mission là qui dois prendre de leurs nouvelles. A sister wrote, sent me an audio from Togo today. When I listen to the audio, I send her back audio. I say, madam, who is forcing you to greet me? The audio was, Papa, how are you? I say, who is forcing you to greet me? Why are you in haste? Ma soeur m'a écrit it's avec like somebody is forcing qui te force à me saluer. Greet me well, ah daddy, how are you? Salue-moi bien, papa. I tu parles de papa, comment tu vas? I'm just hearing that. I said, hey, who is forcing you to greet qui me? Qui te force à me saluer? Love, the Holy Spirit establish it. Go and love. You know the reason why people will not follow you into church. You don't love them in your house. You don't love them at your workplace. Le fait que les gens ne vont pas vous suivre venir à l'église, c'est pas être à la maison là-bas parce qu'ils les aiment pas. Au travail, vous les aimez pas. Sinon, s'ils viennent là, ils vont rendre témoignage contre vous. You yourself, you can't invite them because you are wicked in that house. Vous ne pouvez pas les inviter parce que quand ils sont là-bas dans la maison, vous êtes méchants. Even tomorrow, you are going to somewhere. Somebody is on the roadside. Même demain, vous allez quelque part. Quelqu'un en bord du road. Hello. Which way are you going? Vous partez de vers quel côté? Another way for evangelism. C'est encore un autre moyen pour évangéliser. Which way are you going? De quel côté allez-vous? Me, I go to places when I'm buying. I rather the person is buying to is struggling. I buy for moi, them. Moi, quand je vais dans des endroits que j'achète, que je vois, il y a une personne qui lutte. Je we're preaching in one market last time. On prêchait la dernière fois dans un marché. This elderly woman came to buy crabs. La vieille femme est venue what acheter crabes. Un après-midi. I believe that thing I don't know, I can't know almost season. Je sais que elle avait envie de ça. Elle est this venue young acheter. Girl. La jeune fille. Said, no, that thing is very expensive. Elle dit c'est cher. I was just we are preaching, but I was just watching. I said, hey. Mais il regardait la jeune fille. Elle dit, hey. I didn't buy it like that. Oh. No, il n'est pas acheté à ce prix-là. Il ne peut pas te donner à ce prix-là. And the old lady was going. Et la vieille femme partait. I said, no, mama, retourne. Il dit, maman, retourne-toi. Buy the one you want. Il dit, maman, il faut prendre ce que tu veux. Je paye. He sell for the woman. Elle I said, serve the woman well. Je that one, she was still talking. No, it's not expensive.
J'ai dit, seul, attends bien, parler encore. It was the one we finished preaching. I was going. I said, when I finished preaching, Pastor, thank you. Pastor, merci. Be kind. Soyez gentil. And you see that evil will not happen to you. Vous verrez que le malheur ne vous arrivera pas. Yes. Last time we were crossing one of the border, this customer guy, he helped. Telephone. I want to give him money. Say no, Pastor. No, it's okay. L'immigration, we're coming again. He helped. I told him I don't have money. He said, oh, no problem. Whatever man sows, he will reap. Tout whatever ce que you are doing to somebody, va le moissonner. You will reap it. So sow good things. Donc quoi que vous fassiez aux gens, vous allez le moissonner. Donc semez les bonnes choses. Aidez. Especially we will share the word with you. The Bible demands that you share what you have with us. Et en particulier nous qui vous partageons la parole de Dieu, car la Bible dit que celui à qui on enseigne fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Who has given gift to Pastor Sammy before here? Qui ici a une fois fait un cadeau à Pastor Sammy? Quelqu'un t'a une fois fait un cadeau? You see? Voyez-vous? If you are not, no, I say shoe. Maybe cake the award is because we who are your leader, you don't know how to give us things. Vous savez, parce que nous qui sommes vos leaders, vous ne savez pas nous faire des cadeaux. We are not falling in love with you. Comme like on other pastors. Comme you les see, Sammy, we understand. Sammy, we are married already. Non, on est déjà mariés. And people who are not married, they give them. Ceux qui sont pas mariés là, ils leur font beaucoup de cadeaux. Ah. Huh? I was here. I brought a sister from one nation. J'étais ici en une sœur qui est venue d'une nation. I think you give gift to Pastor Daniel. Pastor Daniel also give gifts. Elle a donné cadeau à Pasteur Daniel. Lui aussi a fait cadeau. I don't know when Pastor Daniel give gift to Mama. I don't know. Je ne sais pas quand il a fait cadeau à Mama un jour. Dès je dois lui demander. My birthday is coming, Selena. 20th. Selena, mon anniversaire c'est le 20 décembre bientôt. Yeah, Selena, yeah, give me gift. Yeah, clap for her. Emma, they are doing cardio. The pair idea. Oh, say ye. Unto me in a year. Me say in the. Aha. Why idea? Why idea? Yes. Era bien fait. You have two. Your pastors are with you. Vos pasteurs sont avec vous. The end of the year. La fin de l'année. Their birthday. Leur anniversaire. Even if it's not their birthday, you see your pastor, you know that he's struggling. Oh, pastor, I have some 2,000. Use this for rent a car. This week. Ouais. I don't like si the way you are coming late. You are tired. Pasteur, ces deux jours-là, je vois que tu luttes pour avoir voiture. Voilà un demi Ghana, faut louer une voiture pour cette semaine-là. Yes, oui. And most of the time, what you give to us, we don't spend it. Et la plupart du temps, ce que vous nous donnez, là, on ne le dépense pas sur nous. Somebody give me 2,000. But then the 2,000 come, 1,000 go to a church member. Quand quelqu'un m'a donné 2000 Ghana, le temps qu'on va voir, 1000 sont déjà partis vers un membre d'église. Yes. And the reason why you must give more to us, because we give to more people. La raison pour laquelle vous devez nous donner plus, c'est parce que nous nous donnons plus. No, it's true. Et c'est vrai. It's true. Et c'est vrai. And as I'm here, I have Benin. I have Togo. Pendant que je suis ici, j'ai la Côte d'Ivoire, le Libéria, Ghana ici, même le Ghana ici. Yeah. Last time I was 200 CFA, about 4,000 Ghana City, right? Yeah. We are owing something in Benin. Yeah, I have to send it there. Yeah, on devait quelque chose au Benin, j'ai envoyé ça là-bas. 200 000. I can use that to pay my children's school fees. Je pourrais utiliser ça pour payer la scolarité de mes enfants, non? So, we have to love one another. Donc, il nous faut nous aimer. It's sure that somebody we are fasting, but the person is not eating well. For all you know, that porridge that we provide, we are doing God's work. C'est sûr que pendant qu'on est en jeûne, quelqu'un ne mange pas bien, ne coupe même pas bien. Donc, la bouillie on buvait là, ça est en train de faire du bien à quelqu'un sans que vous ne le sachiez. Yeah. Because when we close, we bundle it home. Parce que quand on finit là, on fait emporter. Yes. Some of you, I know it has been long time that you have been hungry. Certains d'entre vous, je sais qu'il y a longtemps que vous aviez faim. So you don't know what is hunger. Donc,
vous ne savez pas ce qu'est la faim parce qu'il y a longtemps. I think people in Michigan have to tell like, yeah, how is it? Especially when Hamata, today's fasting was Shakala small, isn't it? If like it's a personal fasting, you have say, I call my own fasting, I cancel it. Aujourd'hui, le jeûne n'était pas facile. Will pull it, will pull you. Parce que l'Hamatan là va vous hydrater. Especially some of you live in compound house, somebody is cooking some things. Vous qui vivez dans la cour commune, quelqu'un en train de préparer quelque chose là, voilà la tentation. Amen. Let's try to love one another. Donc faisons l'effort de nous aimer les uns les autres. Not with words, but with action. Pas avec les paroles, mais avec les actions. D'accord? Action. Avec les actions. Children dress, pack it. You have Vinkunya. We have places we can dash. La vie de vos enfants qui n'utilisent plus, même ceux qui utilisent, vous pouvez partager. On a Vinkunya, on a des gens à qui on peut donner ça. Yes. Oui. This year, some of you, you must be putting aside missionary offering. Cette when, année, certains d'entre vous devraient mettre de côté la, moving to a place, le, at least I'll ce qu'on appelle this. L'offrande missionnaire. Maybe me too, I have to do partners something. Like, je pense que je dois faire. Beaucoup de pasteurs font le ministère des partenaires. Who is my partner here? Qui est mon partenaire? Yeah, God bless us. So the Holy Spirit help us to love well. Donc le Saint-Esprit say, Lord Jesus, we thank you. Dis Seigneur Jésus, nous te disons merci. Lord, bring revolution to my love life. Seigneur, apporte la révolution dans ma vie d'amour. Help me to love my neighbor as myself. Aide-moi à aimer mon prochain comme moi-même. Lord, any stinginess in me I dispossess. Seigneur, tout ce qui est avarice en moi, je le dépossède. I receive brokenness to know how to give and to love. Je reçois le brisement pour savoir comment donner et aimer. Lord, in the name of Jesus, you Seigneur, say we cannot give that which we don't have. Seigneur, au nom de Jésus, tu as dit on ne peut pas donner ce que nous n'avons pas. Lord, in the name of Jesus, release blessings unto us. Alors, Seigneur, au nom de Jésus, libère les bénédictions sur nous. Yeah. Even Togo, Togo the mission house. Même Togo. Was one sister who helped us. La maison missionnaire, c'est une seule sœur qui nous a aidés. Togo. Togo. Yes. You know, in heaven, we will see people, they are receiving crowns. You say, Pastor Philip, where is this one from? We have never seen him or her. Voyez, au but ciel, heaven know the person. Quand vous verrez des gens recevoir des couronnes, vous serez choqués. Mais on n'a jamais vu telle personne. Oui, mais le ciel les reconnaît. Yeah, Mission House, Togo, Lomé. La maison missionnaire de Togo, à Lomé. People are there. Il y a des gens là-bas. One. Lady, une seule sœur. And she's still paying. She had to pay again. Et elle doit encore payer. She decided to pay for, I think, a year or something. Elle a décidé de payer pour un an, quelque chose du genre. You not clap and say God bless her. Elle n'a pas clamé pour dire que Dieu la bénisse, non. You see, there are many God's work you have to do. Voyez, l'œuvre de Dieu est diverse. Donc, yesterday the internet finished. By the time the internet finished, by the time I was coming to church. Sister called, so he's sending us money for internet. Yeah, like, we didn't know it to finish. But Prince came is finished. Thank God that the sister sent the la money. Sœur envoyait l'offrande pour l'internet. Dieu merci. It's also a blessing. C'est aussi une bénédiction. It helps. Et ça aide. Say, I will love well. Dis, je vais bien aimer. Please talk well so that I can close, please. Parlez bien pour que je puisse terminer. Say our love with words. Je vais aimer avec les paroles. And actions. Et avec les actions. Because it's also important. You have to confirm it. I love you. I love il est aussi you. Important de le, actions. De le confesser, de dire je t'aime avec les actions. Every day, I don't has. No, I tous don't les jours, I don't has. Je n'ai pas. If not, some of you ladies. Vivian alone is, I think she's with Benedita. No, there's some of you. You are gone there. Rosina, her own there. Let's say Rosina, her own. She lives on some mountain and rivers. But Vivian there is 4 hours, right? Je Vivian là, c'est 4 heures. 3 hours. 3 heures de route. Only
one person follow her is not good. I'm not saying everybody should go. Je demande pas que tout le monde parte, mais c'est pas bon que ce soit une seule personne. Au moins un peu puisse partir avec elle. So if you are doing this, when Mr. Anthony won't come, can we go? Because you travel like 2 days or 3 days. On se comporte comme ça. Le jour où M. Anthony arrive, est-ce qu'on peut aller? Parce que c'est au moins 3 jours de voyage. If the thing is in Ghana, you can't go. Si c'est au Ghana ici, vous ne participez pas. You can't go Anambra. Is it Anambra or Delta? Abia. Ibo Kwenu. C'est pour partir à Abia State, au Nigeria. Can you imagine? Pouvez-vous imaginer? It's a journey. C'est un voyage. And some of you who are married Zimbabweans, Congolese. Vous qui avez marié les Zimbabwéens, les Congolais, est-ce que vous, on peut aller aux funérailles de vos belles familles, vos beaux parents? Adi Ophia, eh? Some of you, your love, we have to check it now. Hold your break. You are marrying a South African wife. If your mother-in-law die, how can we come to funeral? Tu veux marier une femme centrafricaine? Si ta belle-mère est morte, on va faire comment pour aller à tes obsèques, à ses obsèques? South Africans, please, oh, please forgive me. Pardonnez-nous. You know, catch me. Oh, see, at Tamis, Fantifou, Musi, there, at the power of fear, there. Nkromi pété. To see the Obia person obe tia abruti girl be you will guess who tout le monde veut marier en Occident. On a les soeurs ici, les Esther, les Mabran, les Selina sont là. A Kosua Moua, les Kosua Sidoni Moua, les Sidoni sont là. Obia person obe tia tout le monde veut aller là-bas derrière l'eau. Aïe. Arrêtez ça. Où est-ce que tu as dit? Il a fini de parler. Pourquoi? May the Lord bless us. Le Seigneur nous bénisse. Let the peace of God be with you. Que la paix de Dieu soit avec vous. Father, we thank you. Père, nous te disons we merci. Bless you. Nous te bénissons. In Jesus, au nom puissant de Jésus. Ok, clap for the Lord. Acclame le Seigneur. Yeah. Pastor Sammy would like us to take offering, right? Pastor Sammy doesn't have mercy. Okay, bring your offering. Apporte les offrandes. Sammy is looking for a friend. We bless it in Jesus' name. Le bénissons au nom de Jésus. Tomorrow by God's grace. Demain par la grâce de Dieu. Will be the ninth day of it. Ce sera le huitième jour. Oh, okay. Tomorrow will be it. Demain sera le huitième jour. We bless the offering in Jesus' name. Bénissons l'offrande au nom de Jésus. Yeah, be on your feet as you. Tenez-vous sur vos pieds. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy are following us all the days of our lives, and we are dwelling in the house of the Lord forever and ever. Amen. Shalom, shalom. Shalom.